temps de vous informer, il est temps de vous parler de la réalité ou des réalités de la République démocratique du Congo. Ici, vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Il y aura 4 invités aujourd'hui. Vous étiez très, très, très nombreux à réclamer ces plateaux. J'ai fait de mon mieux. Ils sont là avec nous, les deux premiers. Ils sont déjà ici avec nous. Les deux autres vont faire leur entrée dans quelques minutes. Je suis avec Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole de l'envol là de parti de 4 leaders de l'opposition avec un président intelligent, l'honorable Denis Sesanga. Monsieur Rodrigue Ramazani, soyez le bienvenu. Merci Delphine pour l'invitation. Je tiens à saluer mon co-débatteur avec qui nous avons l'habitude de faire des débats républicains. Je laisse d'ailleurs la primeur à vous de présenter mon co-débatteur. Je salue les Congolais de partout qui nous suivent et je tiens déjà en avance à le remercier pour leur présence demain, le 25 mai, lors du sitting qui sera fait par l'opposition devant la CENI. C'est un sitting qui est convoqué par les 4 leaders majeurs de l'opposition, Denis Sesanga, Martin Fayulu, Matin Tamponio et Moïse Katumbi, qui seront là aussi sur terrain avec la population pour contester le processus électoral chaotique. Alors, parce que vous êtes porte-parole de l'envol, quand j'ai annoncé que je serai là, il y a quelqu'un qui... c'est quel père? Tacnissant, un peu compliqué, mais c'est un Congolais. Il m'a dit, est-ce que Denis Sesanga se sent à l'aise à côté de Matata? Il s'agit d'un... Vous êtes quand même porte-parole de son parti. Matata, hein? Matata Ampogno, il est comme les autres Congolais. Ils ont le problème qu'ils ont commis dans leur parcours. Et tant soit peu, il a décidé, comme à l'époque, comme notre... Sphinx, Étienne Tshisekedi, qui avait construit l'MPR avec Mobutu, qui ensemble, ils ont mené ces combats de l'MPR parti-État. Après, il a considéré qu'il s'agissait d'un mauvais combat et qu'il fallait aller du bon côté de l'histoire. Comme, donc, Matata a rejoint le bon côté de l'histoire avec le bon côté de l'histoire, car cela ne tienne au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher. Parce que moi, je suis parmi les gens qui ont critiqué la gestion Matata. L'homme de la bonne gouvernance. Je continue à le dire qu'à l'époque, c'était une mauvaise gouvernance. Okay. Et par-dessus de ça, au-delà des responsabilités qui lui incombent, au-delà de ce qu'il doit répondre devant l'histoire du pays et la population congolaise, au-delà de ça, aujourd'hui, comme à l'époque avec Étienne Tshisekedi, qui avait abandonné Mobutu pour rejoindre le camp de la population, je crois que l'honorable Sesanga ne trouve aucun inconvénient de lutter aux côtés d'un Congolais qui décide de porter la voix du peuple congolais et non ses ambitions personnelles. Voilà, espérant que celui qui m'avait dit si vous prenez Sesanga, vous prenez Matata Ponyo, vous prenez Fayulu et vous prenez Katumbi, dans leur tiroir, ils ont des cadavres. Alors, j'aimerais, Papa Freddy, donnez-moi la photo du président de la République. Je m'en vais présenter mon invité d'honneur pour la première fois dans cette émission duel. Lui s'appelle M. Trésor Mwamba. Il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est ici avec nous. M. Trésor Mwamba, soyez le bienvenu. Merci M. Delphin pour nous avoir invité à ce beau plateau de CSTV. Et j'en profite pour saluer mon co-débatteur, M. Rodrigue Ramazani. Je ne manquerai pas de remercier les Congolais qui ont porté leur choix à ce casting, comme l'a dit mon co-débatteur, qui devrait faire montre d'un débat républicain et d'un débat assis sur la vérité, rien que la vérité, pas être trempé dans les émotions partisanes. Parlons République, parlons Congo. Encore une fois, j'en profite pour saluer mon président de la République et aussi réitérer mon soutien à mon secrétaire général, je cite Augustin Kabouya, et aussi au président de la Ligue de la Jeunesse qui ensemble séjournent dans l'espace Schengen, précisément à l'Europe occidentale, en Belgique, à Bruxelles, depuis hier soir,
dans le cadre de la redynamisation du DPS, nous sommes nous concentrés à ce qui concerne les élections tant boudées et dérangées par les esprits obscurs de ce pays qui ne veulent pas voir ce Congo être redressé. Nous, UDPS, ne céderons pas à une quelconque distraction. Voilà ce que je peux dire. Soyez avec nous ici, s'il vous plaît. Alors, Trésor Mwamba, mais la première question un peu directe. Vous vous sentez à l'aise aujourd'hui quand les gens pensent que l'UDPS a fait 37 ans dans l'opposition, mais aujourd'hui au sommet de l'État, un ancien opposant qui est ici derrière moi, donnez-moi la caméra ici, donnez-moi l'autre caméra, un ancien opposant qui est ici, on dit que l'homme a récupéré les boots de Kadhafi, les chapeaux de Mobutu et les bracelets de Kabila fils. Il est devenu l'ami de Poutine comme un vrai dictateur. Est-ce vrai? Je suis heureux que vous me posiez cette question. Fort malheureusement, vous allez constater que c'est ceux qui racontent de telles velléités ne sont pas d'école du purisme politique de l'UDPS, non encore la social-démocratie. Ils n'ont pas compris l'essence du combat du Sphinx, c'est Tshisekedi. Félix Tshisekedi est l'incarnation même du Sphinx sur le plan politique. Félix Tshisekedi est aujourd'hui le porteur par excellence de cet état de droit où aujourd'hui les Congolais ont compris que l'on pouvait humaniser la fonction président de la République, mais ne comprenons pas. Je le dis avec beaucoup d'aisance. Le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a humanisé cette fonction de président de la République. Aujourd'hui, on sait voir un président qui est proche de son peuple, un président qui a l'expression facile, qui peut aujourd'hui comprendre les déshydratats de son peuple, qui n'est pas dans l'immixation des affaires de justice, qui laisse l'état de droit s'appliquer avec promptitude, l'état de droit être appliqué pour tout Congolais, qu'il soit où qu'il soit. Merci Monsieur Trésor Mwamba. Dans quelques minutes, il y aura la présence de Monsieur Focas. Focas, vous pouvez entrer déjà. Si vous êtes déjà prêt, vous pouvez entrer. Et aussi Donald Kabasele qui va faire son entrée dans quelques minutes. Parce que nous allons parler de la marche de Monsieur Focas. Entrez, prenez place. Entrez. Passez mais par ici, c'est pas un problème. C'est un plateau ouvert à tout le monde, un plateau duel. Monsieur Donald aussi va faire son entrée dans quelques minutes. Alors, on va parler de la marche de l'opposition de ce 20 mai. Donc, c'était le samedi. Il semble que le régime Tshisekedi, selon plusieurs personnes, pense que le régime Tshisekedi, c'est un régime de la dictature, un régime qui maltraite son peuple, un régime qui ne s'intéresse pas au social de son peuple, un régime qui a abandonné son armée, un régime qui complote avec les ennemis, un régime qui n'a pas une diplomatie agissante, un régime qui a planté les décors pour tricher aux élections de 2023. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités ici. Donald Kabasele, Trésor Mwamba de l'UDPS, Focas Koukelemena, Nouvel Élan, Monsieur Rodri Ramazani de l'Envol. Mais avant, c'est là, avant que nous puissions venir à la question principale de l'émission, donnez-moi la photo de notre ancien président Mobutu. J'aimerais bien, Papa Freddy, donnez-moi d'abord cette photo avant que je donne la parole à Monsieur Focas Koukelemena. Donnez-moi la photo de Monsieur Mobutu. Monsieur Focas, j'aime bien vous recevoir sur ce plateau parce que le public vous. Papa Freddy, soyez avec nous ici. Soyez avec nous ici, s'il vous plaît. Monsieur Focas, j'aime bien vous recevoir parce que le public vous réclame. Quelle analyse ou la différence que vous pouvez faire entre les régimes d'un ancien dictateur, selon plusieurs Mobutu, et les régimes de Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, de fruit de l'UDPS qui combattait Mobutu pour quitter la dictature et arriver dans la démocratie? Au fait, vous savez que l'approche comparative est efficace
mais ça paraît par des moments subjectifs. Vous savez pourquoi? Même Mobutu, si vous l'interrogez, il ne vous dirait jamais qu'il était dictateur. Ceux qui étaient avec Mobutu, quand vous interrogez Étienne Tshisekedi, vous les mettez dans le contexte de MPR, le docteur Étienne Tshisekedi ne pouvait en aucun cas affirmer qu'ils étaient en train d'alimenter et de cristalliser la dictature. C'est seulement quand il a quitté Mobutu, c'est alors qu'il l'appela dictateur. Ok. Et ces régimes ici, si vous interrogez M. Félix Tshisekedi, qui a combattu les pratiques mobutiennes au travers la lutte de son père, et puis a combattu les régimes de Kabila pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Aujourd'hui, même en étant dans la même diapason des pratiques, si vous interrogez M. Félix Tshisekedi, il vous dira, loin de là, de lui, l'esprit dictatorial. Et je crois que vous aviez écouté Monsieur Trésor, mon bas. Monsieur Trésor, avec toute une diction qu'il mérite, mais il vous présente un dieu de bonté, un président proche du peuple. Un homme qui a humanisé fonction président de la République. J'ai reconnu. Et à celui-là, quand vous oserez lui dire que Félix a des velléités dictatoriales, mais vous ne sortirez pas de cette salle sans conclure. Et parce qu'il fait allusion à quand il vous dit que c'est un président proche du peuple, tout simplement, parce que c'est un président qui est allé visiter ceux qui étaient des victimes de la marche. Et c'est ça, un président proche du peuple. Mais je me pose la question. Est-ce qu'est-il un président pour les Quinois ou bien c'est aussi un président pour ses défaits? C'est une question très questionnante. Est-ce que tu sais que cette phrase... On peut souvent, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous savez que cette phrase n'a de sens que si vous avez la peau de l'IDPS et que vous avez la peau d'un Quinois? Parce que chez moi, à Kikwit, on ne vous dira pas qu'il est proche du peuple parce qu'on ne l'a jamais vu. On ne vous dira pas à Fechi qu'il est proche du peuple, ni à Popokabaka. Donc, cette façon de présenter, moi, il faut relativiser les choses peut-être. Il ne faut pas prendre un caractère isolé des faits et vous en faites toute une doctrine. Non, ça c'est du militantisme et c'est de la propagande. Un régime dictatorial n'a jamais prôné, même Hitler, il n'a jamais dit qu'il était dictateur. Mais ce qui est avantagé pour les comptes d'analyse, il faut regarder le fait, la pratique politique. Tout simplement. Qui est un dictateur? Ok. Les caractéristiques d'un dictateur. C'est celui qui ne respecte pas la loi. Voilà. C'est celui qui s'est fait lui-même la loi. Ok. Deux. Et je vais commencer à démontrer. Ok. Par le premier acte, quand il entra au pouvoir. Le premier acte qui démontre qu'il ne connaît pas la loi, il ne respecte la loi, il ne respecte pas la loi, et c'est lui la loi. Il a pris l'option de prendre un programme de gouvernance de 100 jours. Ok. Lui, avec son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ils en ont fait un programme à eux, sans un gouvernement. Et ils sont allés le présenter dans la rue. Vous dites ils sont allés présenter le programme du gouvernement dans la rue. C'est un échangeur, c'est un milieu choisi, historique. Dans la rue, ça n'a jamais existé au monde. Les institutions existent bel et bien là où c'est connu dans une démocratie et dans une république, le lieu de la défense et de la présentation d'un programme de gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale et devant les élus. C'était le premier acte que Tshisekedi avait montré qu'il ne respecte pas la loi. Mais quel c'est quelqu'un qui viole les lois de la République. C'est-à-dire que nous présentons un président de la République
dans un contexte qui n'est pas républicain, qui n'est pas républicain plutôt, dans une pratique qui n'est pas démocratique, parce que la pratique démocratique veut que le souverain puisse être lui le détenteur véritable du pouvoir, et que c'est lui-là qui est le principal acteur de loi. Et ceux qui viennent en démocrate doivent respecter ces lois-là. Mais quand quelqu'un déjà dans l'entame, il commence d'abord par là, premier acte de gouvernance dans la rue. Ils sont dans les cadres. Okay. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons aller exempt, parce que dire qu'il est dictateur, ça sera difficile qu'on nous enseigne. Mais, il faut amener le feu. Et alors, nous, je suis capable que nous puissions avancer fait après fait pour démontrer est-ce que ce sont des pratiques républicaine ou bien dictatorial. Merci, monsieur Fokaskou Kelemena. Appelez monsieur Donald là où il se trouve. Il ne faut pas créer un déséquilibre dans l'émission. C'est vrai, il est en route, il arrive. J'avais prévu deux contre deux. Il y a deux du pouvoir, deux de l'opposition. Monsieur Trésor, je vais vous donner. Continuez d'échanger, ça nous Je vais vous donner le temps. C'est le temps de monsieur Rodrigue Ramazani. Il fallait le prendre à chaud. Je veux vous donner la parole. Je veux vous donner la parole. Calmez-vous. Je veux vous donner la parole. Voilà. Attendez, monsieur Foucault. Alors, monsieur Rodrigue Ramazani, vous êtes de l'envol. On va parler de la marche. Mais il fallait d'abord installer les décors, implanter ou planter les décors. Qui est dictateur qui ne l'est pas? Si j'ai pris la photo de Mobutu, parce que sur 100 pays, 95 vous dira, Mobutu c'est un dictateur. Les gens collent Tshisekedi l'identité d'un dictateur, surtout vous les opposants. Qu'est-ce qui prouve que Tshisekedi est un dictateur? Moi, je vais. Foucault s'est allé trop loin. Moi, je vais aller sur un fait un peu plus récent. La création de l'Union sacrée comme plateforme politique. Ok. C'est une violation alors flagrante de loi de notre pays. L'Union sacrée aujourd'hui s'est créée dans le seul besoin de pouvoir fléchir les institutions de la République au service d'un individu qui est Félix Tshisekedi. Je crois, si je ne me trompe pas et que ma mémoire ne me trompe pas, il suffit de lire les articles 19, je crois, jusqu'aux articles 23 de cette organisation. Les gouvernements, au sein du Parlement, l'Union sacrée crée encore un autre groupe où les non-parlementaires ont la possibilité de prendre des mesures qui concernent l'Assemblée nationale, dans le gouvernement pareil. Or, la constitution de l'Union sacrée, lorsque vous lisez cette charte, tout porte à croire qu'il s'agit, et bel et bien, conformément à nos lois, il s'agit d'un regroupement politique. Okay. Parce qu'il faut, savoir que dans le cadre textuel de la République démocratique du Congo, les plateformes électorales n'existent pas. Okay. On parle de parti politique ou de regroupement politique. C'est ce qui est consacré dans notre loi. Or, vous ne pouvez pas être membre des institutions comme le président de la République qui est en même temps le président. Il est censé en fait être le président des opposants et le président de la majorité. Okay. Mais de plus en plus, nous constatons que le président de la République lui-même s'est fait haute autorité de référence de l'Union sacrée. Donc, le président de ce regroupement politique, le président de ce regroupement politique, qui en soi, dans une certaine mesure, ça sonne dans nos oreilles comme parti État. Ok, donc nous avons le nouveau impère aujourd'hui. Impère, vous avez même le premier ministre qui est censé, au regard de ses fonctions, ne pas être membre d'un parti politique ni d'un regroupement politique. Non, mais le premier ministre, dans ces cas, il est dans les présidiums, donc de l'Union sacrée. Effectivement, il est dans le présidium. Dans le présidium de l'Union sacrée, qui est une structure de ce regroupement politique. Okay. L'Union sacrée est un regroupement politique, conformément à nos lois. Ils vont vous dire plateforme électorale, le droit congolais, le droit positif congolais ne connaît pas la dénomination plateforme électorale. On ne connaît que des dénominations
parti politique, regroupement politique. Maintenant, vous avez un premier ministre et les ministres du gouvernement qui sont membres et de l'Union sacrée qui occupent des fonctions. Vous pouvez être membre du gouvernement et être membre d'un parti politique sans avoir des fonctions, de poste de responsabilité. Le président de la République a un poste de responsabilité à l'Union sacrée. Il est le haute autorité des références, donc les présidents de ces regroupements politiques. Vous avez encore le premier ministre du gouvernement qui est aussi président, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Vital Kamerhe. En réalité, comme le disait Focas tout à l'heure, un dictateur, c'est quelqu'un qui est la loi. C'est celui qui ne respecte pas la loi. Félix Tshisekedi, en posant ses actes ensemble avec ses affidés de l'Union sacrée, ont intentionnellement violé la Constitution. Ils ont intentionnellement violé la loi. Mais vous savez pourquoi cela restera impuni? Pourquoi? Cela restera impuni parce nous sommes à l'état de droit. Il ne faut pas dire que Félix ça va rester impuni. Félix Tshisekedi lui-même incarne le trois pouvoirs d'État. Comment ça? Il incarne aujourd'hui le trois pouvoirs d'État. Je le parlerai sur base d'analyse. Il incarne le pouvoir législatif. Il incarne le pouvoir exécutif, alors dans sa globalité. Il incarne le pouvoir judiciaire. Comment? Le pouvoir législatif, il n'y a pas longtemps, 30 secondes, il y a eu un grand débat sur la mise en place de membres de la Cour constitutionnelle pour le quota de l'Assemblée du Parlement. Vous savez à qui ils se sont allés référer pour prendre une dernière décision et que Bahat se retire. Ils se sont référés au président de la République. Bahat, il a dit au sorti. Il ne faut pas les amener dans les incantations. Non, ce sont des faits. Ce n'était pas officiel. Vous n'avez pas de preuves qu'ils étaient partis là-bas. Vous me connaissez, Delphine. Je n'ai pas la qualité de ceux qui font des débats des invectives. J'ai fait des débats sur base de faits que la société connaît. C'est au sorti de ce grand rendez-vous avec le président de la République, entre les présidents de l'Assemblée nationale, que Bahat a fait ses déclarations suivant les orientations du président de la République qui s'est retiré. Donc, ça veut simplement dire que le Parlement, le quota du Parlement, la décision est venue de la présidence de la République. Au-delà de ça, il y a plusieurs faits, nous allons revenir parce que le temps ne m'appartient pas. Deuxième fait, parce qu'il faut parler exécutif qui est bicéphale. L'exécutif qui est bicéphale et le président de la République n'est pas censé porter la responsabilité du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous posons la question, comment les politiques publiques sont exécutées à la présidence de la République? Où nous connaissons tous que les conseillers du président de la République ont manipulé l'argent sortant du trésor public. Bon, après, ils se sont promenés avec ça comme si c'était de l'argent des commerçants qui quitteraient la présidence pour arriver à Matadi dans un sac d'un ministre. Tout ça porte à croire qu'il y a un gouvernement parallèle au sein de la présidence. Donc le président contrôle l'exécutif. Merci. L'appareil judiciaire, c'est le trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire. Le président de la République, nous avions tous vu quelle est comment la justice est menée à deux vitesses. Quand c'est quelqu'un du pouvoir qui est interpellé, il y a soit une libération conditionnelle, une libération provisoire ou carrément un acquittement, bien que nos 57 millions jusqu'à aujourd'hui, les Congolais continuent à réclamer. Mais qui a dit que c'est lui qui est poursuivi par la justice était un homme sérieux et qu'il allait jouer un rôle en République démocratique du Congo? C'est les magistrats suprêmes. Et cela s'est accompli. Ce n'est un fait, mais j'en ai plusieurs que je sortirai au fur et à mesure que nous serons dans le débat. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que c'est pas un raccordement frauduleux? Ce que vous êtes en train. Maintenant, pour répondre à ta question, tout ce fait ainsi mis sur la place publique, la violation du principe de séparation du pouvoir par Montesquieu, la privation ou encore la caporalisation de l'Assemblée nationale, porte à croire que, effectivement, Félix Tshisekedi est un dictateur. Et je parie même que pire que Mobutu et Kabila. Je veux vous donner encore la parole. Merci. Je donne la parole à M. Trésor Mamba, qui est cadre de l'UDPS, partout au pouvoir. La photo du chef de l'État, M. Freddy, je vais vous donner suffisamment de temps parce que vous êtes seul. En attendant, on est à toi, il n'est pas seul. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Trésor Mamba. Je ne céderai pas l'asphyxie des paroles de Focas. Face. Que je salue en passant. Face aux arguments. Congo le Trésor. Détail. Mamba. Face aux arguments de taille. J'étais avec Kombolo tout à l'heure. Face aux arguments de taille que les deux opposants viennent de mettre sur la table, ça confirme que Tshisekedi est un dictateur. Si cela est vrai. Vous savez,
cher Delphin, à entendre mon co-débatteur et frère Foucas, je ne suis pas surpris que ça sorte de sa bouche. Là n'est pas une surprise. À entendre le maître Ramazani affirmer de telles choses, je sais que c'est un avocat dans cette République. Je peux comprendre le contexte et la posture qu'il peut avoir vu ses responsabilités politiques dans son parti. Porte-parole de l'Envol. Qui s'appelle Envol de l'honorable Sessanga, que je cite aujourd'hui quand même. Écoutez, il y a des principes élémentaires de bonne gouvernance, des principes élémentaires ou des indicateurs élémentaires de démocratie. Okay. On ne peut pas parler d'un État dictatorial dès lors que les institutions ou les pouvoirs sont justement séparés. Nous avons trois pouvoirs, tel que l'a clairement dit l'avocat Maître Ramazani, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et la souveraineté du peuple a été constatée par son expression manifeste lors de ces élections de 2018, sans toutefois oublier aussi l'égalité de droit. Avec moi ici présent, je voudrais vous illustrer parce que vous allez, parce que j'ai entendu mon cher Foucas me parler des faits. Allons par des faits. Vous avez connu le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, monsieur Bisselele, qui est aux arrêts. Okay. Là n'est pas un signal fort d'État de droit. Vous avez vu certains qui ont été mis en prison, les détourneurs de l'argent, de l'EPST, je ne sais pas, il y a une structure là. Vous avez entendu aujourd'hui le gel des avoirs des comptes de certains fonctionnaires de l'État. On va parler des faits, je ne vais pas aller tirer en longueur des choses. Vous savez, c'est regrettable lorsque l'on veut quitter sa casaque d'homme de droit et d'homme juste et de politologue, on veut verser par les émotions. Mon cher Foucas parle du déplacement du chef d'État. Il dit, mais il est le président des Kinois ou il est le président des Congolais qui sont affichés chez moi, Bandundu, à Kakikuit. Mais monsieur, je ne vais pas moi vous apprendre ici qu'un chef de l'État, en tant qu'institution, vit par un agenda de déplacement. Donc ce qui n'est que président de ceux qui sont à l'Équateur où il a été. Il est présent, ce qui a été, où il a visité, à Kisang, à plutôt au grand Nord. Il n'est que présent de ceux qui sont au Kassai ou encore une partie du Congo central, il l'a été. Mais c'est regrettable de sortir de la bouche, que ça sorte de la bouche d'un politologue, de son État. Puisqu'un président de la République est assis par un agenda, il a toute l'équipe qui travaille dessus. Je vais l'informer que le président de la République avait prévu d'être au Grand Bandundu il y a de cela quelques mois. Faute de la question liée à l'insécurité, pas du Grand Bandundu, à la question laisse à d'autres priorités, vu ses attributions au niveau du continent africain, son agenda a été perturbé. Je le promets, je le rassure, il deviendra président du Grand Bandundu le jour qu'il sera au Grand Bandundu. Je crois que moi et lui, et Foucas, nous arrangerons à pouvoir faire ce déplacement. Et c'est ce jour-là qu'il décidera d'accepter Félix Tshisekedi comme son président de la République. C'est un faux débat, c'est un faux fuyant. Le contexte qu'on veut illustrer, parlant de l'union sacrée, crée de la confusion dans la tête des Congolais. Le maître va dans des extrémités des textes de loi. N'allons pas trop loin. Est-ce que union sacrée comme fait privé? D'abord, il faut savoir que les partis politiques et les groupements politiques sont des faits privés. Ok. D'entrée de jeu. Il n'a pas, lui, qualité à nous dire, à dénier le droit à des Congolais qui se décident de s'unir pour préparer leurs élections et le contexte dans lequel avait été pris le pouvoir d'abord ou avait gagné le président de la République. Vous savez que le président de la République n'avait pas de majorité lors de sa prise de pouvoir. Il faudrait comme ça coaliser ou cohabiter avec le FCC de triste mémoire. La cohabitation avait commencé. On devrait bloquer la République démocratique du Congo ou laisser le pays évoluer. Il a été décidé de se séparer avec ses autres amis. Et parmi eux, des députés d'en face ont décidé de se joindre et ont répondu massivement à l'appel du chef de l'État. Vous défendrez aux Congolais libres dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo de suivre une voie sincère du chef de l'État? Non. Par moments, quittons nos émotions partisanes.
Parce que ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est quoi? C'est nos appartenances politiques. Moi, monsieur Mwamba, au-delà d'être élu des PES, ceux qui m'entendent aujourd'hui, ceux qui me suivent connaissent mes postures et mes positions, qui par moments vont à l'encontre de la posture de mon parti, parce que je suis d'abord libre d'esprit et je suis un vrai tshisekédiste. De lors que une posture politique ne va pas à l'assentiment du peuple congolais, nous érigeons enfin un obstacle pour cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas commencer ici à affirmer en prétendant que le président de la République était membre effectif de l'Union sacrée. Il est d'abord le garant de la nation, tant que père de tout le Congo. Il est le président de tous ceux qui sont opposants là, qu'ils le veulent ou pas. Il est leur chef de l'État. Le président de Fayoulou, Katumbi et tout le monde, l'honorable Sessangaï et tout leur groupe. J'entends mes ventes ici, cette histoire de j'ai entendu, je dois corriger cette histoire de quatre leaders majeurs de l'opposition. Je crois que Focas, du fond de son cœur, est très mal à l'aise d'entendre ça. Comment ça? Quand un monsieur comme Matata Mponyo serait un des leaders majeurs de l'opposition? C'est une farce, les Congolais nous suivent ici comme ailleurs. Non, c'est l'homme qui a l'expérience, c'est l'homme qui a amené s'il vous plaît, un nouveau souffle dans l'opposition. Mon collaborateur, lorsqu'il était dans la bonne voie, lorsqu'il était avec moi ensemble avec lui, nous avions partagé un débat démontrant noir sur blanc la mégestion de M. Matata Mponyo qui devient donneur de leçons. Matata nous parle des répressions de marche, mais qui était Premier ministre lorsqu'il y avait des réprimandes de marche, où il y a eu des têtes de Congolais tombées, morts, tuées, enlevées et assassinées? Mais aujourd'hui, voilà comment la honte appartient à l'histoire dans ce pays. Monsieur Ramazani se retrouve comme par hasard autour et ensemble vantant les mérites de ce monsieur. Mais monsieur Ramazani a fait une comparaison. Je sais que monsieur Focas, lui, il est perdu. On nous apprend aujourd'hui. Mais le contexte est différent, cher ami. Je suis à l'aise à vous répondre à cette question. Le contexte est différent. Tu sais qu'Eddy, Félix, plutôt, Étienne Tshisekedi a une histoire propre dans ce pays. Il n'a pas été trompé dans la mégestion, la mauvaise gouvernance de ce pays. Tu sais qu'Eddy, Étienne quitte Mobutu dès lors que Mobutu présentait, comme il a clairement dit, des signaux des dictatures graves dans ce pays. Et ce que dit Étienne n'a pas été impliqué dans la mégestion des finances publiques de ce pays. Et lorsqu'il dit qu'il... Donc ma tata n'est pas propre, c'est en vrai, c'est le s'il vous plaît, je ne me fixe pas sur M. Matata Mponyo, le sénateur Matata. Il est mal passé d'en parler, il n'est même pas propre. Parce que je vois qu'aujourd'hui, on nous parle de quatre majeurs leaders. Non, c'est une honte. D'abord, parmi eux, ils sont sales. Le trois carré sale, parce qu'un monsieur comme Matata ne peut même pas parler. Un monsieur comme Katumbi, Tchapo et Moïse, mais c'est de l'inconstance pure dans la politique congolaise. Est-ce que monsieur Katumbi peut lui aujourd'hui regarder en face les Katangais, leur dire que je vous ai apporté du bonheur tous? C'est un meilleur gouvernement. S'il vous plaît, restons dans le football dans mon club Mazembe, je suis d'accord. Bien qu'aujourd'hui, à cause de son implication politique, le club connaît beaucoup de soucis. Je crois que le directeur doit essayer de réfléchir. Mais restons dans le jeu politique. On ne peut pas comparer le président Tshisekedi à un président, le qualifier de président dictateur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent à leur groupe tel qu'ils sont en train de parler aujourd'hui, si l'on doit ouvrir certaines boîtes à Pandore aujourd'hui, mais il y a des gens qui doivent être en prison. Non, nous y tous cet élément. Je ne suis pas sur le président. Il y a même qu'on paye l'argent. J'ai beaucoup d'estime sur vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui a produit des lois. Quelqu'un qui a pas dans ce style de journaliste qui entraîne des gens dans certaines polémiques. Non, je vous donne des faits. Vous ne donnez pas des faits. Là, vous voulez m'emmener dans votre ligne. C'est à moi de vous donner des réponses. Pas de problème. Je n'ai pas cité le président et ministre honoraire, ancien premier ministre de la République, Mozito, qui pour moi fait montre d'une opposition républicaine. Et j'entends quatre majeurs hommes politiques de l'opposition, c'est une farce. Attendez, monsieur Sessang Adeli, on sait comment il se retrouve là. C'est la mécontente. C'est parce qu'il est mécontent. Il est juste écrit, il n'est pas content, il ne s'est pas retrouvé de l'autre côté. Mais attendez, lorsqu'on parle de... Sessang n'a pas voulu participer dans la messe noire de l'Union sacrée contre le peuple. Voilà pourquoi. Il sait comment il a été élu député national. Avec la photo de Tshisekedi Félix à Luisa, ce n'est pas le porte-parole qui va me contredire, sinon les images et les faits existent parce qu'ils veulent qu'on ait en termes des faits. Parlant des faits, aujourd'hui, peut-on nous dire que la RDC est dirigée par un dictateur? Non! Un monsieur comme Moïse Katumbi Tshapo qui a été empêché de revenir ici dans ce pays, voilà comment monsieur raconte des faussetés. Aujourd'hui,
Moi, j'en appelle à la justice congolaise de pouvoir ouvrir encore plusieurs dossiers. Mais dire que le président de la République s'érige comme étant l'exécutif, le judiciaire, mais c'est malheureux d'entendre ça d'un avocat de son état, maître Ramazan, dont j'ai beaucoup d'estime et respect. Je pense que on doit apprendre à s'habituer ou à comprendre le jeu démocratique et l'exercice d'un état de droit. Merci. L'état de droit sous-entend ceci. Le président de la République a sa portion de pouvoir et la justice a sa portion de pouvoir. Dès lors que la justice congolaise ne veut pas atteindre les objectifs qui se sont assignés, vous allez incomber ça au peuple ou à la justice. C'est par contre au peuple de se prendre en charge. Le politologue peut bien comprendre cette notion. Ce n'est pas à moi de l'enseigner aujourd'hui ici. Donc, merci. Pour couper court, le président de la République n'a jamais été dictateur. Aujourd'hui, nos amis sont en bas, les mêmes co-dictateurs ici présents, il y a quelques mois, prétendaient ici que le chef d'État n'était pas prêt à organiser les élections. N'était pas destiné à aller, il bloquait la CENI. Et que vraiment le public ne voulait pas donner de main pour la CENI. Mais je vous informe que ce 20 décembre, il y aura élection. Mais si leur démarche suicidaire, pensant qu'ils vont distraire les Congolais, à les amener à ce qu'ils appellent consensus, entente, accord ou désaccord, messieurs et dames, droit dans le jeu, je vous regarde, nous irons ce 20 décembre. Merci. Le temps que vous perdez en des distractions inutiles, l'UDP est en train de faire sa redynamisation. Nous serons bientôt à Féchi, je vais vous y inviter. Merci. Nous allons encore retourner avec l'UDP pour continuer le travail. Merci, monsieur Trésor Mwamba, cadre de l'UDP. On attend Donald Kavasele qui va venir. Mais j'aimerais que vous puissiez me donner l'image de la marche de l'opposition. Monsieur Focas, politologue de la République, d'entrée des jeux, l'opposition a marché. Mais vous, Nouvel Élan, vous n'étiez pas avec eux. Vous êtes dans quelle opposition ? Républicaine ? Ils ont opposition quatre leaders radicale. Avant la question principale. Non, je préfère d'abord rebondir si c'est que non, j'ai vous entendu. Allez répondre, répondez à ma question. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Quand tu me poses la question de savoir où nous sommes. Oui, vous êtes à quelle opposition ? Républicaine, radicale, parce que l'opposition a marché, vous n'étiez pas là. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans un contexte démocratique. Okay. Si nous parlons de la démocratie, l'opposition qui est reconnue dans une démocratie n'est qu'une seule, et c'est l'opposition républicaine. Et quand vous me parlez d'une opposition radicale, c'est-à-dire qu'en face, on a un régime dictatorial. Ok. Ok. Nous sommes encore de ceux qui croient que dans un contexte où les sangs accoudés, des générations passées ont milité pour que la démocratie puisse être une réalité, et nous, notre philosophie reste la démocratie. C'est pourquoi nous nous battons, non pas pour quitter les cadres démocratiques, mais y rester en travaillant dedans. Merci. Avec des contraintes, oui, effectivement, nous les faisons, mais nous sommes respectueux de la doctrine, des principes et des règles. Donnez-moi la photo, là où il y a Matata, Sesanga et Efaïm. Parce que vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas marché. Mais je n'aurais directement que nous puissions entrer dans la matière, mais vous pouvez payer les arriérés. Ils ont quatre leaders. S'il vous plaît. Mais la cause ou l'objectif de la marche, la vie chère, la situation sécuritaire. J'arrive. Et autres, je vais. Pensez-vous que c'était la même cause et pourquoi vous n'avez pas rejoint cette marche? Laissez-moi le temps de vous répondre et aussi d'éclairer la lanterne. D'abord, je vais aller rencontrer monsieur Trésor, mon frère. Moi, je croyais bien qu'on allait faire un bon débat, mais il s'est fait égarer pour rien. Ok. La thématique consistait à démontrer si Félix Tshisekedi serait. Non, réagissez, donnez votre point de vue. Moi, je suis pas. Nous nous sommes dit. Je suis pas dans d'abord dans que style, là, de, la démarche, la démarche serait aisée si on avançait. Parce que j'ai déjà laissé le temps de dire que l'approche comparative entre Mobutu et Félix serait subjective. Pourquoi ? Parce que l'un verra autre chose et moi aussi je verrai autre chose. Mais ce qui pouvait nous aider à conclure, ce sont des faits que nous allons amener. J'ai amené un fait de ce que la pratique dictatoriale explique. C'est-à-dire que vous avez une autorité qui se croit, c'est lui la loi. Et que autre loi n'existerait
si ce n'est que ce qu'elle lui pense et ce qu'elle lui dit. Et j'ai démontré par de fait, j'ai dit, il y a eu d'entrée de jeu, le premier acte, de cet homme qui se croit, lui, la loi, de prendre un programme de gouvernance et d'aller présenter dans la rue. Ça, c'est un acte dictatorial. Moi, je croyais qu'il allait me rencontrer et me donner des arguments vous avez, de vous cette avez pratique. Question. C'est son temps de parole. Nous sommes allés dans un contexte électoral où il fallait qu'il y ait le respect des principes et des normes de la gouvernance démocratique. Le premier ministre doit être désigné partant de la majorité parlementaire. Mais ici, on a vu un président de la République, comme c'était lui la loi, il n'a pas nommé un informateur parce que aucun parti de notre ossature n'avait raflé une majorité. À cause d'un arrangement africain, un compromis africain. L'accord. Mais oui. Okay. Je ne sais pas comment mon frère va rater cette occasion de démontrer que ce fait que je suis en train de présenter juste pour que lui puisse me rencontrer et détruire mes arguments, il va à côté. Je vous Félix Tshisekedi n'a pas nommé un informateur, mais nous avons vu ici le FCC nous présenter un informateur, un premier ministre. Le FCC nous a présenté ici un premier ministre. Il en a eu une quand même. Oui. Ok. Mais Félix a fermé les yeux. Il n'a pas nommé un informateur. Et pourtant, le FCC n'était pas partie prenante aux élections. La CENI ne connaissait pas FCC. La CENI ne connaît que les regroupements, comme vous a dit ici, M. Ramassani. Il connaît les partis politiques, il connaît les regroupements, point barre. Quel est ce regroupement qui avait une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale? Vous êtes de l'IDPS? Vous ne répondrez pas par oui ou non? Je vais vous répondre. Non, ça n'existait pas. Je vais vous répondre. De deux, on vous dit que il est dictateur, vous dites non, il n'est pas dictateur. Et parce que vous savez, dans un contexte où le chef de l'État a vu que les élus, et puis après il les a appelés, ils l'ont suivi. Oh. Les gens ont répondu à l'appel, vous sauvez la c'est victoire. Ça encore qui renforce encore sa dictature. Oh. Mais un chef de l'État qui est dans l'exécutif, il va appeler ceux de la législative pour aller où? Pour être derrière lui. Pour faire sa volonté. C'est ça en fait la dictature. Le chef de l'État n'a nulle part à amener tout un pouvoir. Okay. Il va les amener où? Et par contre, vous aviez vu la démonstration de l'obéissance de ceux-là qui sont venus. Il les a achetés la Jeep. Il les a achetés les Jeep, les palissades. Bon, ça se fait chaque année, hein. Voilà. Chaque législature. Et pourtant, les chaque année dont vous parlez. Non, chaque législature. Attendez. Mais il venait à peine de vous dire que. C'était la loi. Il venait à peine de vous dire que tout ce qui s'est passé avant, c'était de la dictature. Okay. Et s'ils sont en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont dans la continuité de la dictature. Ok. Vous comprenez la différence? Ok. Ce sont ses propos. Il doit me rencontrer pour que ce débat ait des sens. Cher, ne vous vantez pas de votre reconnaissance. S'il vous plaît. Parlez de vous. Le président proche du peuple. Trois minutes. Tous ces genres de présidents proches du peuple physiquement, ce sont des dictateurs. Ça, c'est selon vous. Mais ce un président est proche. Encaissez d'abord. S'il vous plaît, là vous nous dérangez. Non. Vous savez, quand on est en train de co-débattre respectueusement, n'empêchez pas qu'il y ait des réflexes, des réactions. Non, il doit terminer d'avant son idée. Vous ne perturbez. Je ne l'ai pas perturbé non plus. Parce voilà. Quand il me cite, on peut. On fait noté. Ce qu'il faut. Le mieux, c'est de noter. Ce n'est pas un bon style, vos styles à la congolaise. Faisons le truc à un standard normal. Merci. On n'empêche pas quelqu'un de réagir. Vous notez, je vais vous donner suffisamment. Quand vous parlez, lui, ne fait rien. Je ne parle pas, j'ai gesté. J'ai juste gesté. Merci. C'est normal. Un président proche du peuple dans une démocratie signifie quoi? C'est un président qui répond aux desiderata du peuple.
Le peuple est multiple. Nous sommes aux environs 120 millions d'habitants. Aucun président sérieux ne cherchera à être proche des 120 millions d'habitants physiquement. Pour l'être, il faut répondre aux besoins de ces 120 millions. C'est alors que tu seras un président proche du peuple. Qui vous dit qu'à Kikwit, à Fechi, on est en train de chercher un président physique? Ok. Nous n'avons pas besoin d'un président physique. Et même s'il arrivait à Fechi, il ne saura pas rencontrer tous les Fechois. Il ne vaut ni les serrer la main. Le fait de le voir à la télé suffit. Mais de quoi parlez-vous? On connaît son nom, c'est fini. Qu'il nous donne ce que demande le peuple, c'est alors que nous dirons que c'est un président proche du peuple. Okay. Nous n'avons pas besoin de cette effigie. Non, okay. On a besoin des réponses aux questions que nous avons données comme souverains d'ailleurs. Une minute, la marche de la révolution. Je vais te calmer. Vous calmez. Vous, comme vous voulez, je m'excuse pour bon, ça. Mon charme. Moi, je suis à l'aise avec les deux. Je sais, ça de c'est... toutes les façons, pas de problème, mon cher frère. Vous devez le savoir. Nous, des Kikwiti, nous, des Fechi, nous ne sommes que de ceux qui croient que c'est nous, les souverains. Lui, c'est un serviteur. C'est un représentant. Il n'est pas un dieu, il est dieu pour vous. Nous ne les cherchons pas. Ce n'est pas à lui de se mettre dans son idée que lui, il est un dieu pour nous et que notre secours viendra de l'éternel. Non. C'est nous, les souverains, et lui, c'est un mandaté. Nous l'avons donné le mandat et nous avons disposé les moyens pour qu'il travaille pour nous. Je vous montre la bonne volonté. Nous avons une vision contraire de ce que vous, voilà. vous avez. Voilà. Si vous vous croyez que c'est votre Dieu et que c'est votre Macha Moumenou, c'est bon, tout ça, ce que ça, vous ça, voulez. Ça, 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 je ne vous laisserai pas continuer. Ce n'est pas moi qui... Bon, non, je ne suis pas le tenant de ces propos. Écoutez, je ne suis pas le tenant de ces propos. Vous avez devoir, monsieur, d'avoir un je minimum... Je n'ai pas... Je oui, mais Macha Moumenou, ça vous dérange en quoi? Non, ça ne me dérange pas. Mais non, je ne vous ai que cité. Attendez, ça me dérange en quoi? Mais ça dérange toi. Ça vous dérange vous alors? L'intention à vous, c'est une intention ethno-tribaliste, là, c'est quoi? Non, est-ce que c'est même pour toi? Je vais pas complexer, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui manifestez. Mais complexe d'infériorité, s'il vous plaît. Vous ne pas les élotes. Qui t'a complexe d'infériorité, s'il vous plaît? Ça, c'est un complexe d'infériorité. Tu ne connais pas les propos de Macha Moumenou. Je dis que c'est un frère, ça vous gêne en quoi? Mais est-ce que moi, j'ai dit le contraire? Il est mon frère. Est-ce que j'ai dit le contraire? Merci. Monsieur Foucault, je n'ai pas dit le contraire. Merci. Je n'ai pas dit le contraire. Calmez-vous. Je n'ai pas dit le contraire. Merci. Je vous oppose et vos propres arguments. Monsieur Foucault, vous aviez estimé qu'il était votre Macha Moumenou. Monsieur Foucault, notre frère, quittez le Congo. Alors, si votre Macha Moumenou, il est votre président, monsieur. Monsieur Foucault. Pour moi, le pouvoir de Paris, c'est vous, le peuple, c'est nous. N'est qu'un serviteur, ce n'est pas un. Merci. Monsieur Foucault, vous avez la parole. Vous n'avez calmez-vous. Ok. Vous n'avez plus la parole. Pas vous qui. S'il vous plaît. Il m'a pas laissé parler. Hein. Je vais vous redonner le temps. Merci, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Il y a les autorités. Ne faites pas passer des inepties. Calmez-vous. Je vais vous donner la parole. Vous allez répondre. S'il vous plaît. Il y a les autorités qui nous suivent. Il y a les gens à la présidence, à la primature. Plusieurs personnes suivent cette émission. J'aimerais bien. Que nous puissions quitter un débat de terre à terre, nous puissions réfléchir pour le Congo. Et je suis contre tous ceux-là qui amplifient les tribalismes. Je suis contre eux. Les Congolais, les Baluba, les Bandandé, les Bakongo, nous tous, notre Congo est un bien commun. Alors, ceux qui vont se livrer dans un spectacle désolant de diviser les Congolais, moi je suis contre. Alors, M. Rodrigue, Ramazani, s'il vous plaît, je vais vous donner le temps. Monsieur Rodrigue Ramazani, est-ce que c'est important que vous puissiez marcher pour la vie chère? Oui, c'était important de marcher contre la vie chère et non pour. On a marché contre ça parce qu'il s'agit d'un droit légitime reconnu à tout Congolais. Ok. Parce qu'aujourd'hui, la situation sociale est chaotique et inténable. Le flambé de prix sur le marché... Et ce n'est plus à démontrer. L'inflation est galopante. Vous savez, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en 2019, le taux était à 19.
en 2020, le taux est à 20. L'été à 20, en 2021, le taux à 21. C'est vrai ça? Attendez, reprenez un peu. En 2023, le taux à 23. Reprenez. 2019, toi. Il a trouvé le taux à 19. 2020. Il franchit 2020, le taux à 20. 2021. Il arrive en 2021, le taux est à 21. 2022. On traverse avec le 2022, le taux était à 22. Aujourd'hui, nous sommes avec le 2023, le taux est à 23. Okay. Et ça se démontre qu'avant d'arriver, lorsque nous allons chuter à l'année 2023, parce que le taux est à 23, quelque chose, nous allons atteindre les taux des 24 avec, avec sa gestion. Mais bref, donc le Congolais avait le droit de sortir contre... Pour dénoncer la vie chère, la sécurité, ainsi que le processus électoral chaotique. Mais permettez-moi quand même de revenir sur ce que mon co-débatteur Trésor Mouamba, vous avez 4 minutes. Dopes a dit tout à l'heure. 4 minutes. Je vais utiliser mon temps. En tout cas, c'est les répliques, je vais le prendre succinctement afin de permettre aux Congolais de comprendre l'échange contradictoire que nous faisons. Okay. Pour justifier l'état de droit, il a évoqué le fait de l'arrestation sur le fond de l'EPST qui ont été détournés. Effectivement, il y a eu arrestation, mais il y a eu arrestation que d'un secrétaire général de l'EPST, aussi deux directeurs de l'EPST. Mais le ministre qui a géré les fonds, qui à un moment donné a été menacé pour arrestation, dès qu'il a adhéré à l'Union Sacrée, il est devenu blanc. Je ne citerai pas le nom, suivant mon regard, c'était avant Tony Mouamba. Ok. Ces ministres n'ont pas fait objet d'une condamnation, alors que les faibles, j'ai dit bien, ont fait objet d'une condamnation. Pourquoi on ne va pas poursuivre le ministre? Parce que le ministre est membre de l'Union Sacrée, parti État. On ne peut pas le poursuivre. C'était le cas à l'époque du MPR. Aujourd'hui, il veut justifier la création aussi de l'Union Sacrée. Il dit on ne peut pas interdire aux Congolais de se mettre ensemble pour préparer les élections. Oui, on ne peut pas les interdire. Ce qui n'est pas acceptable dans une république, c'est la violation de normes. Nous établissons de normes pour que la république soit dirigée comme telle. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Je vais évoquer l'article 97 alinéa. Je crois l'article 97 dernier alinéa. Les fonctions de membres de gouvernement sont incompatibles avec des fonctions dans des mouvements politiques. Ok. C'est incompatible. Ce n'est pas Rodrigue Ramazan qui l'a inventé et c'est voté par référendum depuis 2000. Il y a un article qui dit mouvement politique. Oh, je te donne l'économie de la loi. Je ne te parle pas de tout. Je te parle de l'économie de la loi. Okay. L'économie de la disposition. Ce que la disposition voulait dire en réalité. Je dis ici que le droit positif congolais ne reconnaît que deux organisations politiques. Il y a les partis politiques et les regroupements politiques. Les regroupements politiques sont les associations de partis politiques. Okay? C'est ça l'esprit du législateur congolais. Lorsqu'il interdit aux membres du gouvernement d'y participer, c'est pour qu'ils restent neutres dans la gouvernance du pays. Parce que lorsqu'ils sont dans le gouvernement, ce sont des hommes d'État. Ils ne sont ni de la majorité, ni de l'opposition. Parce qu'en vrai dire, même les opposants que nous sommes contributeurs au trésor public. L'argent de moyens du trésor public qu'ils utilisent, les opposants, Délice Sanga, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, sont contributeurs et Rodrigue Ramazani aussi. Okay. D'où les membres du gouvernement ainsi que le président de la République ne peuvent pas être membres d'un mouvement comme ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps au stade de Martyr avec les frais de l'État. C'est inacceptable. Oh. J'ai vu un premier ministre membre du présidium. Okay. Membre du présidium d'un regroupement politique. Vous imaginez dans quel état nous sommes? C'est une violation intentionnelle de la Constitution. C'est une infraction imprescriptible. Et c'est ça, imprescriptible, j'insiste bien, ça existera. Pendant que Tshisekedi est au pouvoir, même après son pouvoir. Il vous reste deux minutes. Et après, pour une dernière, il dit « Délice Sanga est un aigri ». Je ne sais pas. Aigri. Il est dans l'opposition parce qu'il est aigri. Il n'a pas été content de ce qu'on ne lui a pas donné à l'Union Sacrée. J'aurais bien voulu écouter mon co-débatteur aller dans le fond de sa pensée. Okay. Mais elle a été superficielle, mais je vais l'aider. Okay. Je vais lui dire, je crois qu'il est de l'UDPS. Il maîtrise très bien le contexte de la ne mise en place. Ne croyez pas, il est de l'UDPS. Oui, et voilà, Trésor d'ailleurs, qui va nier que Trésor est de l'UDPS. Okay. C'est vraiment de l'UDPS. J'aime bien suivre ses directs. Très souvent, j'y suis dedans. Je le suis. Okay. C'est direct sur Facebook. Le contexte était que pour avoir un vice-ministre, il fallait avoir 4 ministres dans le gouvernement Samalou Kondé. Maintenant, je vous dis que l'envol, on n'avait même pas le droit d'avoir un ministre.
Parce qu'on n'avait que trois députés. Trois députés. Donc si on avait un vice-ministre, donc nous étions les plus chouchoutés de l'Union sacrée. Okay. Parce que les restes, on leur exigeait quatre ministres, quatre députés. Nous, avec trois, on a eu un vice-ministère et on l'a donné à une dame qui est restée à l'Union sacrée. Est-ce que nous, dans ces conditions, peut-on être désécrits? Okay. Je ne pense pas, parce que nous étions les plus chuchotés des milieux sacrés. Mais par-dessus de tout, on a claqué la porte. Parce qu'on a claqué la porte simplement parce qu'en termes de gouvernance et en termes de vision, nous ne sommes pas mis d'accord. Nous y sommes y allés pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Aujourd'hui, le Congolais était dans la rue le 20 pour réclamer la vie chère. Donc, les conditions sociales du Congolais n'ont pas été améliorées. Nous étions pour que la situation sécuritaire à l'Est s'améliore. Aujourd'hui, la situation s'aggrave encore à l'Est. Nous comptabilisons le nombre de morts sans compter des déplacés. Nous avions été à l'Union sacrée pour un processus électoral crédible. Nous avons donné du crédit à Félix Tshisekedi. Nous, de l'Envol, ensemble avec les G13, nous avons fait une tournée auprès des personnalités politiques jusqu'au président de la République pour le voir en face et lui dire ce que nous pensions du processus. Et à l'époque, le président de la République disait même que pour lui, la CENI doit être donnée complètement aux membres de la société civile et mettre en place un processus électoral crédible, transparent et apaisé. Après avancement, on a constaté qu'il y avait des lois taillées sur mesure, l'imposition de Kadima contre la vie des églises. Est-ce qu'il fallait continuer dans cette tourbière? Est-ce qu'il fallait continuer dans cet imbuglio? L'Envol a dit non. On a préféré laisser et députés et ministres à l'Union sacrée parce qu'ils sont dans leur liberté, au regard de la manipulation de jurisprudence qui a été faite en vue d'arriver à ce résultat, et nous on a quitté, parce qu'il n'y avait plus le sens républicain, il n'y avait plus la bonne gouvernance, donc on a quitté l'Union sacrée. 30 secondes, chuter. Maintenant, pour chuter, je crois que au nom de la responsabilité collective, nous sommes jeunes acteurs politiques. Il y a de fait qu'au-delà de nos appartenances politiques, il faut condamner. À l'occurrence, le cas des violations flagrantes de la Constitution. Je viens de le démontrer que la Constitution a été violée par la création de l'Union sacrée. Moi qui suis de l'opposition, je suis inquiet. Parce qu'aujourd'hui, je suis opposant, non seulement du gouvernement, mais d'un regroupement politique qui constitue les membres de ceux qui sont censés nous gouverner. Est-ce que nos notes, est-ce que nos textes, est-ce que nos revendications auprès du gouvernement pourront prendre écho? Parce qu'il s'agit d'un parti politique adversaire à nous tous. Ok. C'est ma crainte, c'est mon inquiétude. Accompagner pareille chose, ce n'est plus être républicain. Accompagner pareille chose, ce n'est plus nager dans l'esprit de Tien Tshisekedi. Voilà pourquoi je vous dis que pour moi, Félix Tshisekedi a craché sur la lutte de Tien Tshisekedi. Non, mais j'ai vu le président de la République féliciter un général, un colonel, hein, pour les travaux faits, il y a eu zéro mort. Monsieur Philemon, si vous avez cette photo-là, donnez-moi pour dire que les chefs de l'État, c'est quelqu'un qui veille également. On a l'impression, Delphine, qu'il opposants. S'agit des faits nouveaux. Je vais rappeler deux faits majeurs. Il y en a plein que je peux rappeler que le mode opérant dit aujourd'hui, c'est la répression des manifestations de tout ce qui a une opinion contraire que le pouvoir. Non, les voyous, il y a, oui. y a une méthode. Écoute, mais le 30 avril 2021, à Beni, les élèves manifestaient devant la mairie de Beni pour réclamer le retour de la paix dans leur province. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une répression sanglante. Des élèves en tenue uniforme. Et il y a eu même mort d'homme. Un enfant a perdu sa vie le 30 avril 2021. Vous saviez la réaction à chaud du président de la République? Notre président. Il a dit que ces élèves-là étaient manipulés. Les élèves ont été manipulés par les opposants parce que le président voit la manipulation partout. Il voit la main noire partout, même dans la crise de maïs, l'insécurité à Kwamouté. Il y a toujours une main noire et ils n'ont aucune responsabilité. Après, regardez le niveau. Quand il parle des voyous, les gens... Excusez-moi, j'arrive aux voyous. Après, je parle d'abord des enfants parce que vous pensez que c'est nouveau qu'un enfant soit agressé par les régimes Tshisekedi. Après, le président de la République a dit que ces enfants, après avoir dit que ces enfants étaient manipulés, vous savez ce que le président de la République a constaté quand il est arrivé à Beni? Il a demandé pardon au petit Jason. Il a dit pardon Jason, je me suis trompé. L'homme le plus informé de la République dit je me suis trompé. Je ne savais pas que vous subissiez tout ça dans ces provinces. Ça, c'est vraiment la narration du président de la République. Et aujourd'hui, laisse-moi arriver, nous parlons d'un chef d'État. Nous parlons d'un chef d'État, nous ne parlons pas de Rodrigue Ramazani. 5 secondes.
Lorsque le président de la République traite ses compatriotes, des manifestants, qu'ils soient de l'opposant, des opposants de voyous, des Congolais qui lui ont porté au pouvoir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il les traite des voyous, des badauds. Et félicite un policier qui a conduit une opération qui a abouti à des agressions par machette, s'il vous plaît. Des agressions par machette? Oui. Vous avez vu ça? Mais les images sont là, ces Congolais sont blessés par machette. Alors que cette opération a été conduite ensemble avec les forces du progrès. Vu de tous. Et le président de la République traite ses compatriotes des voyous. Merci. Et il félicite cette police-là. Peut-être que le pouvoir de Félix Tshisekedi et l'envol qui porte le projet de la refondation du Congo, nous n'avons pas la même appréhension d'une police professionnelle. Merci. Ça peut se comprendre. Merci, nous ne savons exactement. Calmez-vous. Nous ne savons exactement c'est que lorsque nous arriverons au pouvoir, l'envol et Délice Sanga, nous avons un projet clair pour avoir une police effectivement professionnel. Merci. Ce qu'on a vu là, ce n'était pas une police professionnelle, mais une police professionnelle made in 10e limitée, conçue et créée par Félix Tshisekedi. Il semble que la police s'est défendue parce qu'il y avait des voyous. Je ne sais pas si M. Trésor Mwamba, face à cette question de la marche de l'opposition, est-ce le chef de l'État pouvait se permettre d'appeler les opposants ou les gens qui ont marché de voyous? Est-ce qu'il y avait le voyoutisme? Merci, Monsieur Delphin. J'ai religieusement suivi le maître Ramazani ainsi que l'autre co-débatteur, Monsieur Foucas. Parlons de la marche du vin. Nous devons d'abord commencer par être sincères, nous regarder en face et dire la vérité ici. Ok. Les Congolais qui nous suivent doivent savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, en date du 20 mai, parce que j'ai comme l'impression que vous, hommes des médias, journalistes, je ne vous accuse pas, je parle au conditionnel. Okay. Vous concoctez, vous avez été acheté pour faire une propagande d'une tendance politique qui est précisément ce qu'ils appellent par accident les quatre leaders majeurs d'opposition, que nous appelons les quatre VIP. Qui pensent duper les Congolais. Nous sommes le 8 mai. La Ligue de la jeunesse de mon parti, UDPS, son présidium, Amissima Koutano, Mouke Moukengeshaï, Christian Lumu, adresse une correspondance à la ville-province de Kinshasa. Vérifiable. Ok. Le 8. Nous sommes le 8 mai. Nous étions déjà informés que le 13, les VIP avaient déjà fait leurs panneaux, afficheuses, flyers, tout ce qu'on veut après. Ils savaient comment ils sont, les VIP. C'était bien organisé. Avec leurs pubs, leurs spots, c'était bien préparé. C'était connu déjà en date du 8 qu'il y avait une marche des opposants, le 13. Mais voilà comment le manque d'honnêteté et de sincérité de ceux qui prétendent vouloir diriger cette République se constate. La Ligue de la jeunesse de l'UDPS, via son présidium, a déposé une correspondance au gouverneur de Kinshasa. Vous avez vu comme moi, quelques jours après, un point de presse animé par Mouke Moukengeshaï, accompagné par son président, Amissima Koutano. Pour projeter la date du 20, il s'est passé ce qu'il y a. L'UDPS, en tant que parti politique, ne va jamais s'y mixer de leur polémique avec la gestion de la ville. Nous, on est un parti politique. On s'occupe de ce qui nous... Nous, on est dans les affaires des élections du 20 décembre. C'est ce qu'ils doivent d'abord mettre dans leur tête. Vous remarquez qu'on a difficile à entrer dans leur polémique entre eux et la gestion de la ville. Parce que nous, on est fixé focus sur le 20 décembre pour avoir notre majorité. Okay. Pour diriger ce pays, globalement. Voilà comment la Ligue proposa cette date-là, du 20. Et nous avions réfléchi ça, que le 20, c'est une date historique, mais on va quand même récupérer cette date. Eux, ils sont passés pour le 13 des 4 VIP et consorts. Il leur a été refusé, ou ils ont rediscuté pour relancer leur date. Vous avez vu le point de presse entre Mouquet à la permanence de l'UDPS. Qu'est-ce qu'on a à voir? Eux, aujourd'hui, ils veulent nous voler cette vedette de la marche du 20, la marche des opposants. Quelle farce! C'était la date de la marche de la Ligue de la jeunesse de l'UDPS, accompagnée par l'AVC que j'ai vu
de M. Boudimbou, le ministre des hydrocarbures. Ce sont ceux-là qui avaient prévu de sortir. C'est fait en avant. En avance plutôt. Mais on arrive le 20. Il y a eu des itinéraires fixés par la ville de Kinshasa via son gouverneur. Eux étaient présents, je crois, je ne sais pas si j'ai vu M. Ramazani, le maître Ramazani. Je crois le voir si j'ai bonne mémoire. Ils se sont fixés avec la ville de Kinshasa pour la date du 18. 20 ou 18, ce n'était pas notre affaire. En date du 19, nous avons échangé, notre secrétaire général avait un déplacement officiel pour ses d'autres responsabilités pour pouvoir échanger avec les combattants. Quand on s'arrête de dynamisation au niveau de l'Europe, où il séjourne jusqu'à ce moment. Mais attendez, nous arrivons un samedi, on a notre direction qui doit quitter Rond-Point Gaba pour atteindre Saint-Raphaël. Et eux, ils avaient leur trajectoire à eux, telle que fixée par la ville de Kinshasa. Sakombi vers, comment on appelle, vers Victoire là. C'est là qu'ils devaient chuter. Mais comment ces gens se retrouvent avec leur V8 à Gaba? Ça, c'est un point, c'est extraordinaire. Les V8, on voit M. Fayoulou, l'honorable Fayoulou de la Lukunga, avec sa V8, en Gaba. On voit l'honorable Sesanga, en Gaba. C'était pour vous provoquer. On voit le président Katumbi de mon club, le président d'ensemble, en Gaba. On voit l'autre, là, l'homme qui ne peut même pas parler, l'auteur intellectuel de la crise du maïs, le sénateur Matata Ponyo, en Gaba. En faisant le petit show avec des caméras bien préparées, tant on a commandé à Koloba, filmera déjà. Et je vois mon aîné, le honorable Sesanga, à côté, j'aperçois le maître Ramazani. Celui qui vous arrête, c'est mon homme. Wana Mutanga Bokitsa. Te Wana Zanga. Ah, peuple Wana Zanga. Te Kaka Newa Yo Bokitsa. De la farce. Revenons sur les responsabilités parentales. J'ai en face de moi un avocat ici. De l'eau que vous avez maltraité les mineurs. Vu le temps, on ne sait pas reprendre tout ce qui a été dit par mes co-débatteurs, avec beaucoup de respect. Mais je ne peux pas laisser passer quelque chose, une si grave, une erreur grave. Et sortons d'un avocat qui applaudit et encourage certaines choses. Bien qu'il a eu à donner d'autres exemples que l'on doit assumer parce que le président de la République avait quand même eu à échanger dans un contexte de circonstances sur la question de nos jeunes de l'Est. Le cas de leur marche où on a instrumentalisé nos enfants. Donnez-moi la photo là où il y a la photo d'un enfant sur le lit. Donnez-moi. Où le père de la nation en train de consoler cette famille. Je salue d'abord l'attitude très responsable de l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Qui pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ce n'est pas mon co-débatteur Foucault. Focas, le politologue qui va me contredire, il y a près de 15 à 20 ans, nous n'avions jamais vu dans ce pays un ministre de l'Intérieur aller au chevet de ceux qui ont participé dans une marche allant dans le sens contraire de son ex-famille politique parce que là, il appartient à l'État. Étant agent public, ou un ministre de l'Intérieur va rendre visite, va voir. Faire le tour de... Revenons sur l'image de mon fils que je vois allongé. J'ai eu à tweeter en disant que après, parce que lorsque j'ai vu le garçon, l'enfant, c'est mon fils, il n'a même pas l'âge de mon fils aîné. Il aurait 11 ans, parce que j'ai. Il a 12 ans, il n'a même pas l'âge de mon fils aîné, qui en a près de 14 heures évolué. J'ai vu comment on a molesté. Je commence par condamner l'acte. L'acte mais de ces policiers qui a eu à molester, à taper cet enfant avec un coup de bâton. Chose que nous avions tous, en tant que d'abord parents, condamné. Et en tant que politique, en tant que social-démocrate, je condamne cet acte-là. Et je salue la réaction rapide de la police nationale congolaise qui a condamné aussi cela. On a mis à la disposition de la justice ceux qui ont été auteurs de l'acte sur cet enfant. Mais revenons sur notre fils ici. Là, je parle maintenant en tant que parent. Focas ici présent est parent. Ramazani Rodrigue est parent comme moi. Mais quand j'ai commencé par avoir mal, sans avoir vu la suite des images, quelques heures après, on balance des images où je vois mon fils là allongé. Monsieur Filemon, donnez-moi la vidéo. En avant-plan, il n'est pas éclaireur. L'éclaireur, c'est qui? C'est l'informateur. Il n'a pas été informateur. Il a été
le fantassin en avant-plan du combat. Le même enfant. C'est le même garçon. Trouvez les images, je t'inquiète, okay. Vérifiez. Cherchez-moi la vidéo là. L'enfant avec des pierres. Mon fils l'a allongé, dont j'ignore le prénom. La vidéo est là. Laissez-moi gester sur ce plateau de télévision. L'enfant n'est pas éclairé, l'enfant est dans le front. Face à qui? Pas face à d'autres manifestants du pouvoir ou de la Ligue de la Jeunesse et de Paix, non. Face aux policiers. Voilà, l'enfant est là. Vers où? Vers Ngaba. La trajectoire de la marche de combattants ou de la jeunesse de l'UDPS. L'enfant en train de gester, en train de balancer des pierres avec un petit sac où attire ma matière. Yeah. Ça, c'est mon fils là que je vois. Il y a une vidéo où il y a un garçon à côté qui filme, qui dit, mais il y a un mot à Zandengenini, mon Azandokito Nini. Quand j'ai vu ça, j'ai regretté mes larmes. J'étais dépassé. J'étais sans mots, j'ai eu à tuter. En disant ceci, à voir ces images, j'étais en face d'un monstre habillé dans la peau d'un enfant. Mais ce qui est pire, après, pour voir combien ces amis de l'opposition VIP instrumentalisant nos enfants, les dopant, les droguant. Voilà comment l'enfant reprend les réflexes enfantiles et tout. Il est à l'hôpital. Regardez maintenant la figure de cet enfant. Il redevient enfant. Il a pris conscience. Il était tout petit, comme un petit innocent qui n'avait rien fait. Il en est suivi quelques heures, quelques minutes après. Ils ont pris les vidéos d'avant, là où on les cognait. Ils ont envoyé là où ils savent qu'ils envoient, où les parrains traditionnels de Paris vivent. Paris a réagi, France 24 a réagi via le pouce de notre frère Trésor Kubangula. Kubangula ou Kubangula, un des correspondants de France 24. Je suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Voilà, ça s'empire ici. Mais madame la jeunesse de France 24 n'a pas eu le courage de dire que où c'était, où l'opposition était, n'était pas leur ligne ou encore leur trajectoire à suivre. Madame Kubangula a raconté. Pour chuter pour l'histoire de l'enfant, mais quand j'ai vu cette image, le père de la nation, le président de la République, est allé au chevet de cette famille. Mais j'ai vu notre image du ministre, le VPM, parce que les parents ignorants qu'ils étaient, où j'appelle à la responsabilité, entre nous parents sont responsables. Pas un enfant de 12 ans, j'en ai. Où le VPM présentait, regardez ce que c'est dans votre fils en train de faire. Vous avez vu l'image? Le père était stupéfait, dépassé. Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que pour chuter, pour finir, 10 secondes. J'en appelle à nos amis de l'opposition VIP. Voilà, on vous vole aussi la veste de l'opposition parce qu'il paraîtrait qu'il y a 4 leaders majeurs. VIP de l'opposition. De pouvoir faire, s'il vous plaît, on l'a damé des points. De pouvoir faire une opposition républicaine, faire la bonne opposition. Bonjour, c'est l'opposition à péter. Parce que, apprenez à vous assumer. Aujourd'hui, vous êtes incapable de présenter un programme clair. Votre collègue Olivier Kamitatou, sur le plateau d'un de vos collègues, je cite M. Kassamba. Venez patauger, la raconter sa petite vie. On l'a posé la question. Quel est le programme chiffré? Vous avez eu 4 ans d'observatoire externe. Vous avez tout le temps de pouvoir chiffrer votre plan projet. On n'a vu aucun chiffre, que des critiques, que dans le vide. Alors que l'UDPS, qui leur a donné, qui leur a pris cet acte-là aujourd'hui, je vais chuter encore pour finir sur ce fils. S'il vous plaît, chers parents, je crois que l'image de cet enfant nous a fait tous mal. Mais nous devons apprendre à être réellement responsables. Merci. Mais aussi, cet enfant ici, sous d'autres cieux, aux États-Unis ou en Europe, où va M. Ramazani de l'opposition VIP, ils savent très bien que même en Europe, ceux qui condamnent là, chez eux, lorsqu'un enfant a tué, un enfant a été cité, était avec des mineurs de scène, il peut être poursuivi, interpellé pour découvrir la vérité. Mais n'empêchez pas la justice de faire son travail. Mais en tant que parent, cet enfant devrait servir de leçon ou encore on peut les rééduquer ou encore on peut le conseiller et qu'on doit condamner l'acte de notre fils instrumentalisé par les 4 VIP dont appartient M. Rodrigue Ramazani dans les VIP. Toujours. Merci M. Trésor. C'est regrettable. Vous avez compris. C'est regrettable. J'ai très mal dans mon cœur. Calmez-vous. Vous avez compris que... Plein enfant de 12 ans. S'il vous plaît. Vous avez compris que je lui ai laissé suffisamment le temps pour qu'il parle. Et j'ai aimé le calme de M. Focas quand il va commencer à parler. Non, je ne veux pas déranger. Ne le dérangez pas aussi parce qu'il est politologue de la République. Alors, vous avez parlé du programme de
Moïse Katumbi, il fallait également citer Sesanga qui vous pond un non, je ne ferai pas la pub de M. Sesanga. Alors, je ne ferai pas sa publicité. La réponse de l'État. Alors, le porte-parole est là, il va. Alors, M. Foucas, parlons-en. Pour terminer tout ça, pour mettre fin à tous ces spectacles désolants de l'opposition et de la majorité, il faut avoir un président légitime. Il faut aller aux élections. Les élections, c'est en 2023. Monsieur Trésor a dit si, préparez-vous pour les élections, quittez la distraction. Est-ce que vous serez prêt d'aller à ces élections organisées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante? Vous savez qu'une société qui ne veut pas apprendre par ses propres erreurs, c'est une société maudite. Ok. La première chose, je suis en train de regarder l'attitude de mon frère quand tu parles d'un enfant. Enfant. Mais je crois qu'il devait être beaucoup plus interpellé si, dans un contexte de gouvernance, avec un slogan d'un peuple d'abord, et que le retrouver au front. Parce que c'est lui-même qui utilise ces mots-là. Mm-hmm. On a retrouvé un enfant au front. Ok. En train de protester contre la vie chère. Ok. C'était ça la raison. Mais je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas s'il y a une autre motivation. Ok. Parce qu'on vous dit, lui-même il vous dit, il vous narrate le fait, il dit... On a vu l'enfant au front s'affrontant contre le militaire, les policiers au front. Mais la motivation de la masse, c'est quoi? C'est dénoncer et refuser la vie chère. Et c'est l'enfant qui s'engage à se mettre au front. Mais est-ce que ça ne peut pas interpeller? Ça ne peut pas interpeller les régimes? Que quand les enfants maintenant commencent à protester la vie chère, l'insécurité, cet enfant-là, quoi qu'il en soit, même si vous dites qu'il est Kuluna, même si vous dites qu'il est sorcier, c'est une victime. Parce qu'il a 12 ans. Dans ces 12 ans, il y a 4 ans de Félix et il y a 8 ans de Kabila. Et c'est ça, cet enfant, les résultats. Donc la cause, c'est l'État. L'enfant, c'est une réaction. Cet enfant-là est la sommation des politiques publiques de 8 ans de Kabila et de 4 ans de Félix. Ils sont en équilibre. L'un a mis 8, l'autre a mis 4 et ça fait 12 ans de misère pour cet enfant et qui va maintenant protester. Ok. C'est ça, au fait, la réflexion. Vous savez, j'aimerais bien qu'on fasse un bon débat. Il vous parle de la marche. Et ils ont organisé. Mon Dieu. UDPS, parti au pouvoir. Majorité présidentielle. On vous parle d'une marche. Parlons de la marche dans une approche politologique. Ne parlons pas de la marche sous le label d'une marche de santé ou bien de quoi que ce soit. Soyons dans la politique et dans la démocratie. Dans la démocratie, la marche pacifique n'a qu'un seul sens. La marche pacifique est consacrée à la protestation. Vous me parlerez d'une marche. Vous allez me donner la doctrine. Parce que je vais vous donner même les fondements et les motivations de cette marche. C'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie, on considère que les souverains, c'est le peuple. Et que ce peuple-là a mandaté des dirigeants pour aller gouverner. À un moment, une période de la gestion, pendant les 5 ans, pendant les quinquennats, si les inputs envoyés par le peuple au travers de ses représentants, ces demandes-là ne trouvent pas gain de cause, ne trouvent pas de réponse. C'est alors qu'on donne, ça c'est la doctrine, et lui va me brandir la doctrine de leur marche. De ce fait,
Le souverain va sortir parce qu'il est multiple et il est le roi. On concède la rue pour que la rue soit le mécanisme pour qu'il puisse s'exprimer. Et quand le souverain s'exprime, c'est pour revendiquer ce que le gouvernement n'a pas pu faire. Et pourtant, chose prévue, chose pactée dans le pacte social. C'est alors que nous avons, dans la doctrine, la possibilité de parler de la marche pacifique. Et la forme de la marche pacifique est connue. Vous avez des calicots dans la rue et elle est pacifique. Et on appelle les policiers par des services pour venir sécuriser les souverains et non pour venir l'affronter. C'est pour venir les... D'ailleurs, c'est pourquoi tu as vu le principe de non de l'autorisation, mais plutôt de l'information. Parce qu'on considère que c'est le souverain qui va marcher. Il n'a pas le temps d'aller demander l'autorisation, parce que c'est lui le souverain, le véritable détenteur du pouvoir de l'État. Donc il ne peut pas se rabaisser pour aller demander l'autorisation, mais plutôt il en informe ceux qui ont l'exercice pour qu'enfin qu'on mette des services à sa disposition, qu'il marche tranquillement et pose les problèmes tranquillement et qu'il soit écouté. C'est ça la signification de la marche pacifique dans une démocratie. Okay. Ça n'a pas d'autre contenu. Okay. Mais si vous nous amenez une marche triomphale, parce que et ils doivent dire... La marque de la genèse de l'UDP, c'était pour mais ça, soutenir c'est pas... les institutions. Mais c'est ça, c'est une marche triomphale, non? Okay. Ça, c'est une marche triomphale. C'est-à-dire que, pour eux... Parce que d'abord, quand ils disent que le marche de soutien des institutions, lui peut me dire comment peut-on soutenir les institutions. Okay. Si ce n'est que par le fait de payer l'impôt, la taxe, les redevances, l'obéissance citoyenne, tout ce qui est du civisme, c'est avec qu'on accompagne les institutions. On n'accompagne pas les institutions avec une marche qui ne peut durer qu'une heure du temps. Et par la suite, vous rentrez à la maison et c'est ça les soutiens. Du n'importe quoi. Ils doivent nous donner la doctrine. Il est là, il va nous branler. Parce qu'il s'est vanté de la marche. Il a dit que nous avons le droit de marcher. Mais avec quel contenu? Parce que c'est de l'opposition. Ils ont donné le contenu de la marche. Ils disent revendication de la parce que la vie chère est une réalité. Il sait, est-ce que c'est un faux fuyant? Est-ce que c'est un mauvais argument? Nous disons oui, la vie chère est là. Et c'est pour l'intérêt général. Alors, 40 mais maintenant, la question de maintenant quand ils vont parler de la marche, la marche pacifique, le contenu dans la doctrine est celle-là. Lui, il doit, après avoir donné l'argument, il va prendre le lexique des sciences sociales est ici. Okay. Il va je nous suis donner, économiste, il va nous donner les parler de vous de leur marche. Okay. Merci. Et puis, comparativement, parce que nous devons les enchaîner jusqu'au bout. En dehors de... Mais oui, parce que moi je n'aime pas quelqu'un qui se cache derrière de faux fuyants. L'approche comparative, c'est aussi une démarche pour éclairer la lanterne. Il doit me dire quel est l'État, quel est le pays démocratique et république qui a déjà marché pour soutenir les institutions. Il doit me dire si c'était en France, si c'était en Belgique, si c'était aux États-Unis, tu as déjà vu un parti politique aller marcher pour soutenir les institutions. Secondes, si ce n'est que par l'obéissance citoyenne, le paiement des taxes et des redevances. Merci, monsieur. Donc, 30 secondes. Ça, c'est la pire distraction et c'est de la manipulation et c'est de la propagande de la poudrerie. Merci, monsieur Focas Koukelemena. Alors, monsieur Philemon, préparez-moi la photo d'un monsieur qui est là, monsieur TH, qui est en chemise bleue, la photo de Katumbi. Et la photo de M. Frédéric Kitenge. J'aurais besoin de ça parce qu'il faut dénoncer quelque chose. Alors, monsieur... Non, je vais prendre ça après. Alors, monsieur Rodrigue Ramazani. Et cette marche, je m'excuse pour ne pas vous couper, mais c'est les journalistes, parce que j'ai besoin de donner ces détails. Cette marche de soutien aux institutions était accompagnée de machettes. Des machettes? Oui. C'est du n'importe quoi. Les images parlent. Merci. Les merci. Images, on est allé soutenir les institutions avec des machettes. Okay. Ce sont les quoi. Chaînes de... C'est quel et ils appellent Forti Proquet. Okay. Les images vous parlent. Êtes des alors, monsieur les images, monsieur Philemon. On va mettre les images. Donnez-moi vous la êtes photo des vilains menteurs.
Quand que des menteurs. CENI, parlons-en, parce que mes faits, s'il nous reste 10 minutes, on va faire ceci. Je aussi pour ma part. 10 minutes, je donne 2 minutes à M. Rodrigue Ramazani. C'est mon tour. 2 minutes à M. Mwamba. 3 minutes à Foucault, parce qu'il est politologue, en dehors d'être. Non, non, il faut éviter ça. 3 minutes à monsieur. Il y a un juriste, il y a un économiste. 3 minutes à monsieur Foucault, et puis je veux. C'est la politique c'est la dictature active. Hein, alors, ça. Monsieur Rodrigue Ramazani, il faut aller aux élections pour mettre fin à ces spectacles désolants. Quand il maquille ici, il vous dit quittez la distraction. Je suis prêt à vous organiser les élections apaisées, les bonnes d'ailleurs. Est-ce que vous refusez d'aller aux élections parce que vous n'avez pas le peuple derrière vous? Tshisekedi va vous battre sur toute la ligne? Vous cherchez un dialogue ou quoi? Parce qu'il faut prêcher pour ma chapelle. Je parlerai de l'envol. L'envol est prêt pour les élections de 2023. Nous nous préparons à ça. Vous n'avez pas un programme. Vous le savez qu'au mois de janvier dernier, l'envol a fait 5 provinces. Nous avons fait le Lualaba, nous avons fait le Maniema, nous avons fait... l'Otuélé, nous avons fait la Mongala, nous avons fait l'Équateur et très bientôt nous allons partir dans la deuxième phase de notre tournée nationale. Et il n'y a pas longtemps, nous sommes partis à la première phase de notre tournée internationale pour rencontrer le Congolais de l'étranger, la diaspora congolaise, qu'on a interrompu parce qu'il y avait marche du 20 mai. Donc l'envol se prépare à présenter les candidats à tous les niveaux. Nous avons un candidat président de la République. Nous aurons 500 candidats députés nationaux sur nos listes. Qui est derrière 600, vous pour vous soutenir? Et 600 députés provinciaux. Okay. Écoutez, l'envol est un parti politique. Il vit de ses cotisations, dont il élègue. Okay. Donc ça, ne vous en faites pas. Nous avons le moyen de notre politique. Okay. Je peux vous le garantir. Mais parce que M. Mwamba dit que l'opposition essaye à péter. Mmh. Bon, opposition à péter, cher Mwamba, on le laisse marcher librement. On le moleste pas. On le violente pas. Okay. On ne met pas la police militaire pour contrecarrer la marche pacifique des opposants. Il y a pété. Ouais. Mais moi, je vous le garantis parce que moi, j'ai fait l'axe résumé accepté par le gouvernement. Je conduis l'axe Founa. Nous y étions. Okay. Je conduis l'acte Founa. Mm. Et les forces qui nous ont dispersés à partir de l'avenue Force, croisement Force-Victoire, c'est la police militaire qui la présence dont la présence était renforcée encore à Siperlimba. Il ne s'agissait pas de la police. Donc, une opposition a pété, bâti à la cahier de dispositif pour fragiliser son action. Et puis, il dit que l'opposition n'a pas d'offre politique. Mm-hmm. Je crois que c'est soit mon co-débatteur n'a pas l'information là-dessus. La politique, c'est aussi l'info. Parce que la parole publique, elle est tellement sacrée. Moi, je tiens tellement à ça que je ne viens pas dire tout n'importe quoi. L'envol. Comme parti politique, a une offre politique, une vision bien détaillée, bien épluchée. À Katoum. Je pars de l'envol, je pars de ma chapelle. Il faut attendre l'ensemble pour la République. Il vient nous apportera une réponse. J'aimerais bien le recevoir. Je parle de l'envol. Que vous n'avez pas un programme. L'envol a un programme politique, une offre politique qui est l'alternance à la carence de la gouvernance aujourd'hui, qui est dénommée la refondation du Congo avec 5 axes. Au moment opportun, je vais le détailler parce que l'émission ne m'appartient pas, nous courons derrière les temps. Trésor Mwamba dit les opposants VIP. Mm. Bon, ça peut compliquer simplement en fait de constater qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé, à l'occurrence le président Sesanga, qui est avocat de son État, qui travaille, qui gagne sa vie, de pouvoir... C'est pas des jouisseurs. De pouvoir se mettre dans des conditions et depuis que Tshisekedi, parce qu'on a commencé l'opposition avec un rassemblement. Okay. Donc, les mêmes conditions nous ont suivi même pendant que nous étions ensemble avec le rassemblement. Mais la marche, quand même, vous venez dans la marche avec des véhicules, avec des jeeps pour dire quand même que vous étiez assuré que ça pouvait aller. Hein. Ben écoutez, nous sommes venus à une marche. Contrairement pacifique. À l'ancienne opposition. Je vais vous expliquer. Nous sommes venus pour nous. La marche était pacifique. Okay. Raison pour laquelle. Nous ne sommes pas munis de position de guerre. Okay. Nous sommes venus parce que la marche était pacifique. Que malheureusement, nos amis avaient déjà l'idée de réprimer cette marche. Okay. Jusqu'à tabasser des enfants dont Trésor Mwamba avait vilipenté ici. Mais pour aller vite encore et chuter, Trésor Mwamba, il dit la question de VIP, c'est vraiment une question inutile. Dans la mesure où nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, j'aurais même appris qu'un d'entre eux, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il nous dit clairement, publiquement, qu'il n'a pas conclu de pacte avec la pauvreté.
c'est un choix. C'est vrai qu'avant, il était dans la pauvreté. Aujourd'hui, comme ils sont arrivés au pouvoir, sa situation personnelle est devenue reluisante. Okay. Ils peuvent s'attaquer aux opposants qui ont déjà travaillé depuis longtemps, qui ont constitué leur vie. Okay. Mais lui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas signé de pacte avec la pauvreté. Il a dit ça publiquement sur Top Congo. Okay. Tu sais, moi, je ne cite pas les noms de gens pour ne pas faire la publicité de certains qui n'en valent pas la peine. Le peuple peut suivre mon regard et savoir de d'où il s'agit. Chiquer les élections. Bon, après un faux débat sur l'itinéraire. Il dit, bon, écoutez, nous, on l'avait saisi avant. Mais je prends ici à témoin le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa sur Bosolo Napolitik. Le vice-gouverneur Gekoko. Avant la décision de Ngobila, Gekoko a dit sur Bosolo Napolitik. Quand même, bande konabiso opposition, bah y a qui avant. Donc oui, bisa na bande konabiso aide pèse na ba parti mususu basé là bango, ba marché bango ba ko marché mukolo mususu. Na yebi simino ki ba opposant ba ko marché. Na lobby ango awa, c'était le sur Bosolo na politique, l'émission qui avait reçu Gekoko Mulumba de leader PS. Okay. Il a affirmé que opposition y a qui avant. Après s'il y a eu des manipulations au niveau des fiches des réceptions et tout ça, ce sont des faux et usages de faux. Il y a des manipulations. Que nous sommes dans un régime de frappeurs. Ils sont en train de frapper même les registres de réception de l'hôtel de ville. Ça, c'est fort, ça. Non, c'est une vérité. Ça peut choquer, mais c'est vraiment la pire. Vous pouvez arrêter, c'est possible. Non, ça va. Bon, après, notre ami Mwamba, il dit, c'est pour la première fois que les vice-premiers ministres de l'Intérieur viennent participer. Nanani, nanana. Même les ministères sont devenus humanisés. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, moi, étant un futur homme d'État, c'est les propos du vice-ministre de l'Intérieur. Monsieur Peter Kazadi a parlé comme un communicant de l'IDPS. Vous dites. Il a parlé comme un communicant de l'IDPS. Il était clair dans ses propos. Non, il a dit, opposant wana. Je suis ici, je parle d'un homme d'État, un ministre que les opposants paient. Okay. Non, le payant, monsieur Peter Kazadi. Okay. Même le président de la République qui nous a traités de voyous, nous le payons. Okay. Parce que nous sommes contributeurs. Mmh. Ils ne peuvent pas aujourd'hui être dans la posture de Trésor Mwamba et communiquer pour l'IDPS, communiquer pour la majorité. Mmh. Raison pour laquelle ils ont transformé l'Union sacrée en un regroupement politique pour que les ministres d'État tiennent de tels propos. Bon, Kozawana, Balingaki Makila et comme si le ministre lui-même ne comprenait pas qu'il était un homme d'État et qu'il devait être au-dessus de l'opposition et de la majorité. Et constater aussi que la force du progrès qui sème terreur dans cette ville, la force du progrès qui sème terreur au Maniema, qui sème terreur au Katanga, est une force nuisible. Et mettre la force du progrès ensemble avec la police, nous les avions vus, machette à la main, chevaux à la main. Les images, je vous dis que les manifestants pacifiques, ils étaient dans une posture. Si cela est vrai, je suis porte-parole de la force progrès, monsieur. Si cela est vrai, j'aimerais interpeller les ministres. Je vais répondre à cette question. Il faut arrêter cette hémorragie. Nous allons. Je vais vous donner des faits sur la force du progrès parce qu'on en parle aujourd'hui. Il y a un moment donné dans ce pays, il y a eu cette affaire contre le Rwanda et qu'on recherchait les Rwandais. Vous aviez vu la brigade de force du progrès aller rechercher les Rwandais à Bandal, dévoyer son Nidjibou, machette à la main. Un, deux, sur l'avenue Ozone, il y a deux faits. Sur la route de Matadi à l'Ozone, deux faits. La maison de l'artiste Fally Ipupa en a été même victime. Ouais. Sur les vandalismes et le voyoutisme de ces forces du progrès. N'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce que Trésor va défendre. Ce n'est pas fini, il n'y a pas longtemps. On a vu le ministre de l'Intérieur descendre. Mmh. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'IDPS lui-même l'a affirmé dans une matinée politique qu'il s'agissait bel et bien de force du progrès contre le membre du parti de CDR de Boussa Jean-Lucien Boussa, qui se sont tapés en machette. On a même vu le force du progrès arrêter quelqu'un en train de le torturer dans une résidence à Lausanne. Moi, je parle de faits, je ne parle pas de supputations. Donc, cette force du progrès ce n'était pas des badauds récrits. Non, je dis ceci, le secrétaire général de l'IDPS est descendu vers la route de Matadi pour constater l'affaire sur le force du progrès. Merci. Il s'agissait de partie de merci, monsieur Rodrigue Ramazani. Vous avez terminé. Pour clore et chuter, je vais répondre à votre question.
que l'on vole, nous sommes prêts pour les élections. Mais cependant, nous voulons qu'au nom de la responsabilité, au nom de la République, que les élections, le quatrième cycle électoral, se passe dans la quiétude. Que celui qui va remporter les élections le remporte certainement. Que nous ne tombions plus dans le spectacle Macron-Félix Tshisekedi de la compromis à l'africaine qui a été dévoilé sur la face du monde et qui nous a certifié aujourd'hui que les élections de 2018 avaient un problème de compromis entre des accords obscurs. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des bonnes élections. Raison pour laquelle, très cher Delphin, demain, le Congolais seront devant la CENI pour faire leur sitting. Nous avons saisi l'hôtel de ville en information et les Congolais, demain, nous serons nombreux devant la CENI de manière pacifique, comme d'habitude, pour protester contre un processus électoral chaotique projectant la fraude électorale. Calmez-vous. Merci, M. Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol de l'un des quatre leaders de l'opposition, l'honorable intelligent Délice Sanga. Alors, M. Trésor Mwamba, vous êtes de l'UDPS. Mais hier, j'ai vu une vidéo. Moïse Katumbi et son groupe, il n'a pas pu traverser pour aller au Congo central. Ah, j'ai oublié, c'est fait. Il semble que le régime... opposition a pété. Il semble que le régime... Vous êtes devenu un vrai régime de la dictature. Moïse Katumbi ne peut plus circuler en République démocratique du Congo. Il doit avoir l'autorisation pour aller au Congo central. Vous pouvez répondre par rapport à cela. Je n'ai jamais vu. Les élections en 2023, pourquoi on vous reproche, vous, d'avoir quelqu'un de l'UDPS, quelqu'un du pouvoir, des gens du pouvoir à la Cour constitutionnelle, à la CENI, vous avez bien planifié la tricherie. C'est ce qu'on vous reproche. Mais vous savez, monsieur Delphin, après avoir suivi le maître Ramazani Rodrigue et celui que vous voulez faire apparaître comme le gars qui est au-dessus de tout le monde, politologue de la République. S'il vous plaît, nous sommes ici dans un débat ou dans des échanges. La politique active et du respect des co-débatteurs de M. Foucault qui ne s'est même pas prévalu de ça. Faites sa pub, faites un spot pour lui, pour sa politologie, ça c'est bon. Okay. Je respecte qualité de mon frère. Le maître en face est avocat de son état. Je suis économiste, formation et enseignant d'université aussi. Un minimum de respect en termes scientifiques. Ça vous dérange? Je ne suis pas sur ça, je suis sur votre plébiscite en parlant de, pour lui, le contexte. Je ne suis pas dans cette polémique, mais je vais quand même dire que ceux qui nous suivent aient du respect équilibré entre fils et filles de ce pays qui débattent intelligemment. Je vous ajoute encore une minute. Il ne nous a pas demandé ça, c'est vous qui faites votre pub et tout ça, c'est bon. Je respecte votre position, votre posture. C'est un peu le modèle journalistique congolais. Je vais dans le fond. J'ai entendu mon co-débatteur Foucault, le politologue. Vous savez que vous voulez entendre ce que j'ai dit. L'économiste, c'est pas du politologue Foucault. Comment soutenir les institutions. J'ai entendu le maître Ramazani nous parler d'une police militaire présente. Il avait des machettes et monsieur Foucault rajoute, oui, des machettes, j'ai vu les machettes. J'ai entendu ici, je vais rentrer par la jeunesse, la prise de parole de monsieur Foucault, qui dit, on va dans le principe doctrinal de la science politique. C'est bon, écoutez, on parle de la politique active ici, cher ami. Pour preuve, les politologues, la plupart, sont des grands théoriciens qui, dans le fond, ont brillé par la faiblesse dans leur action politique ici dans ce pays. On ne va pas polémiquer sur nos sciences d'origine. Vous dites ici, je respecte votre côté politologue, j'admire beaucoup, vous dites, quel est le pays démocratique qui ait fait des marches de soutenance des institutions, citez-moi en un, un dans le monde. Et il va encore plus loin et dit, quel est le contenu doctrinal de la marche de l'UDP? Je vais vous répondre, je vais aller vite. Cher ami, nous faisons de la politique active. Nous sommes l'école de l'UDP de Tshisekedi ou Amulumba, le pas de cette démocratie qui vous fait parler aujourd'hui, qui me fait parler aujourd'hui. Comment soutenir les institutions? Oui, on prend les taxes et impôts, très bien, mais en exprimant aussi, par des faits et actes, son soutien par notre comportement, pas qu'en payant les actes, les taxes et impôts, en passant un bon message d'unité nationale, comme nous le voyons chez les Américains, en chantant son hymne national, ça ne s'arrête pas entre taxes et impôts, en se comportant décemment, pas en étant ancien Premier ministre qui est
participer, entre guillemets, dans un cabinet où on a eu le trois quarts des membres constituants de ce cabinet d'une même zone linguistique, ça on n'en parle jamais, quand c'est les autres, on va faire du bruit. C'est ça aussi une façon de soutenir ces institutions. Je cite quelques-uns. Taxes et impôts, je suis d'accord avec vous, totalement d'accord avec vous. Vous parlez de la doctrine de la marche de l'UDPS, et puis sur le plan de doctrine, je suis d'accord avec vous quand vous dites que, à la base, une marche, c'est dans l'esprit de revendication. Mais vous n'empêcherez pas qu'il y ait des marches pour soutenir. C'est grave d'entendre ça d'un politologue de votre État. On a vu aux États-Unis, le 11 décembre, les Américains sont sortis pour soutenir l'Amérique. Contre. Je vous dis, contre. Cher monsieur, vous aviez parlé. Vous aviez donné après la leçon de politologue ici, l'économiste vous répond. Ok, calmez-vous. Je politique en action. Contre une menace extérieure. Cher monsieur, il faut les noter. Le Congo, je n'ai pas vu les VIP dont vous ne faites même pas partie parce qu'on vous a déjà volé la vedette de l'opposition. Les VIP ne sont pas sortis, n'ont jamais condamné l'agression rwandaise. Citez de nom M. Kagame, le patron de VIP qui s'appelle Katumbi Chapwe, le président d'ensemble, suivi par M. Matata. Je cite ceux qui ont les moyens, ceux qui sont en train de financer. Les financiers du VIP, opposition, qui leur ont volé la vedette, n'ont jamais condamné ouvertement Paul Kagame pour son agression. Okay. Tout Congolais qui me suivent le savent bien. Mais la générale de l'UDPS l'a fait. Je suis en train de prendre la définition. Il va me faire perdre les fidélités. Okay. Mais les Américains, j'ai jusqu'à un cas d'exemple, sont sortis pour soutenir leurs institutions. On a vu les Français ici se lever tous ensemble pour dire non au terrorisme, qui n'est pas différent du terrorisme congolais, monsieur. Okay. Le M23 est un groupe terroriste. Vous êtes politique comme vous le dites, comme vous l'êtes réellement. Mais dites-moi, ils sont dans la politique active et pratique. Est-ce que les Français qui sont sortis pour soutenir la France, tous derrière la France et les opposants, et ceux qui sont de la gauche ou de la droite, j'ai vu un Sarkozy à côté de François Hollande à l'époque. Est-ce que vous aviez, vous, le courage de vous lever, voir M. Rodrigue Ramazani tenir la main de son frère Mwamba, qui d'antan, quand ils nous ont rejoints dans l'opposition, marchions ensemble, discutons ensemble. Je vous dis ouvertement, en le regardant droit dans les yeux, pour leur affairisme politique du VIP, Ramazani le maître ne sera plus capable de le faire parce qu'il aura trahi sa conscience pour les pécunias reçus de leurs fournisseurs que nous connaissons. L'Occident aujourd'hui a des représentants dans ces pays qui sont les VIP. Ils vous l'ont démontré noir sur blanc. Ils vous l'ont démontré. Voilà comment on applaudit un acte qui n'est pas acceptable aujourd'hui. J'entends ici qu'on parle des machettes. Mais les images parlent. Lorsqu'un policier ravit les machettes entre les mains d'un concitoyen, qui celui-là, quelques heures avant, a macheté, ou maître, tu peux me corriger en français, a tapé d'un coup de machette une journaliste qu'on n'a même pas le courage de condamner l'acte ici. Okay. À l'oreille, on l'accuse d'être pro-pouvoir, mais c'est honteux, ridicule. Ce n'est pas mon frère Focas qui est un champion de plateau de télévision qui peut encourager cela. Je n'ai entendu personne condamner cela. Mais cette machette-là qui avait frappé. J'ai entendu, si on nous parle d'une certaine vie, et il n'a pas osé citer le nom, je vais l'aider. Vous parlez de M. Augustin Kabouya, je vais vous apprendre, avant que vous nous rejoigniez à l'opposition, il y a près d'une décennie, à l'opposition, on va vous apprendre un peu une chose, la vie des vrais opposants. Les vrais opposants, quand nous faisons l'opposition, que nous avions appelé radical parce que l'État-nation Congo était dans une posture que vous connaissiez bien parce que vous avez aussi flirté dans ces camps-là et après avoir été déçu, vous avez rejoint. Tout opposant de l'UDPS, moi, M. Mamba, j'ai été arrêté par les services intelligents de ce pays de l'époque. Il en sait aussi quelque chose. Ramazan était brutalisé quand il nous a rejoint. Il a goûté un peu à ce goût, à cette sauce-là. Augustin Kabouya, qui n'ose pas citer, avait une vie. Moi qui vous parle, j'avais des business que je faisais. Augustin Kabouya était un grand importateur, était un grand homme d'affaires, pour votre révélation. Il était dans le pétrole, il était dans le carburant, il était dans la vente de produits. Allez à Tchikapa, je vous envoie à Tchikapa. Okay. Je ne vais pas le prenez un bus, ça coûte 60 000 francs. Vous connaissez, il y a un homme d'affaires qui s'appelle Gérard Kios. Je vais le dire parce que je connais d'abord, en dehors de la politique, l'homme. Je le cite, parce que vous n'avez pas le croire, je cite Augustin Kabouya, qui vous a tous reçu lors de votre arrivée à l'UDPS pour vous allier, vous donner une santé politique.
C'est M. Gérakios, c'est un puissant homme d'affaires grec, qui est connu de tous les vieux hommes d'affaires de ce pays, qui gérait avec l'actuel DG de la DGDP, M. Batoumona, Laurent Batoumona, qui était un homme d'affaires d'abord en passant. Kabouyogi, c'est sa vie privée, je ne veux pas attendre la fois, mais ceux qui connaissent la vraie histoire, vous savez combien nous étions toujours martyrisés et dérangés. Qui de l'UDPS pouvait faire des business? Nous ici, malmenés à l'université partout, et dans des boulots par-ci, par-là, qui ne le sait pas? Non, ça c'était un faux débat. Pour chuter. 5 secondes, 5 secondes. Ici, on m'a parlé de force du progrès. De force du progrès, voilà. Écoutez. Vous avez parlé, je finis la force du progrès, je vais parler de Gécoco. Le gouverneur Gécoco a réagi, a dit que non, voilà, on n'a qu'une seule demande. Mais c'est en quelle date? La demande, il répondait quoi? À ce qui a été accordé en date du 13. On n'était pas encore le 20. Comment pouvait-il parler de PES? Je vous dis ceci. Non, je suis. L'émission, c'est l'émission. Je dis ceci. Du 18. Nous avions déposé, je le réaffirme et le redis. Moi, je parle de Gécoco. Ah ben non, moi, je parle de l'officiel. Ok. Vous parlez de Gécoco. Il n'est pas officiel. En fait. Je parle de l'officiel en termes de dépôt. Gécoco n'est pas officiel. Non, en termes du dépôt. Nous avons déposé officiellement, si c'est à vous de chercher Gécoco, trouvez le gouverneur qui puisse vous éclaircir. Bon, voilà. Parlons de la force du progrès. Force du progrès. La force du progrès n'a jamais été un mouvement comme j'entends là, milice, nanani, nanana. Il y a les vidéos quand même. Mais attendez. S'il vous plaît. Non. Pas de confusion, cher ami. Dans tout le mouvement politique, dans toute activité politique, c'est là que je connais cette opposition VIP. Ils n'arrivent pas à reconnaître, à condamner les infiltrations des fauteurs de troubles. Okay. Même dans un mouvement de football, il y a toujours des petits fauteurs de troubles qu'on pointe du doigt, qui viennent salir l'activité des gens. Okay. Même dans les fêtes, même dans les deuils. Je parle en tant que Congolais, en m'assumant, pas en parlant en tant que politique. Mais écoutez, lorsqu'on voit un jeune homme qui veut salir l'image d'une structure qui a donné le courage à mon ami Focas de se lever aujourd'hui de parler, c'est nous qui avons commencé à nous battre pour que Kabila parte d'abord. Depuis la jeunesse, depuis les années 2000, quand nous nous mettons en monde cette force du progrès, sans toucher à l'arme blanche, sans toucher aux armes fusils, sans toucher à quoi que ce soit, nous marchons pacifiquement. Merci. Et si seulement si, merci, il savait qu'il y ait des gens qui veulent salir l'image de la force du progrès, ces gens-là seront déférés devant la justice. Merci. Je vous dis, jamais la force. Merci. La force du progrès n'a jamais eu à faire ces actes-là. C'est un mensonge, un faux fouillon. Parce que vous êtes fous en Gaba. Qu'est-ce que la zone qui faisait en zone. Qu'est-ce que Mouzito faisait? On est là là-bas. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faisait Fayoulou en Gaba? Monsieur Trésor Mamba. Opposition, il y a pété. Merci. Alors, monsieur PIP. Monsieur Focas. Merci beaucoup. Monsieur Focas, le monde est la fin. Le monde est la fin. Retenez d'abord que quand mon frère Mwamba parle de la politique active, je ne sais pas, mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie. La politique active doit s'asseoir sur une science. Parce qu'il y a des disciplines. Je suis économiste. Ah, mais là, si tu es économiste, donc tu ne peux pas aller outre la notion d'une science qui doit animer la vie politique d'un État. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Quand tu dis la politique active, c'est-à-dire que c'est sans règles, sans normes, sans principes, sans doctrine. La norme existe. Voilà. Donc, c'est pas doctrinal. Oh là là. Qui termine, s'il vous plaît. Mais tu es agité quand moi je parle, pourquoi? Non, je suis ça. Parce que vous avez l'impression de donner des leçons aux gens. Ce sont des contre-vérités. Si Ramazan vous laisse le faire, moi je ne vous laisserai pas le faire. Ce sont des contre-vérités. Non, ce sont des fausses choses. Ce sont des non. Pourquoi vous l'avez fait? On ne fait pas gober ça. J'ai l'habitude de suivre ces débats. Il est sur des doctrines qui sont ambiguës. Ce n'est pas le faut pas tromper les Congolais. On est mais en train de c'est le monde là encore, s'il vous plaît. La réalité de la dictature, il n'y a pas d'acceptation de la liberté de son propre. S'il vous plaît. On est en train de débattre. Alors, quand tu parlais, tu étais dans des contre-vérités. Oh là là, s'il vous plaît. Chité. Les 11 septembre dont tu fais allusion, voilà un exemple à côté de la plaque. Et écoutez, mon frère. Quand moi je pose des arguments, ce sont des arguments qu'il faut tenir avec dextérité. Mais comment vous pouvez m'opposer la manifestation nationale d'un État et vous comparer cela avec un mouvement d'un parti politique qui s'appelle Marche? C'est exprimé par un con. Il y a un con qui s'exprimait.
Ce n'est pas l'intention qui s'est exprimée. Il faut préciser, monsieur. Ne trompez pas les peuples. Il y a un camp, ce sont les démocrates au pouvoir, qui, les républicains au pouvoir qui s'étaient exprimés, et sur ce, d'autres ont, se sont adjoints à cela. Monsieur Trésor, est-ce qu'il peut terminer? Non, mais non. S'il vous plaît. Ce sont des velléités. Pas de fausseté, dit monsieur. 40 secondes, parce que je dois conclure, s'il vous plaît. 40 secondes. On a habitué à laisser. S'il vous plaît. Écoutez. S'il vous plaît. Il vous dit qu'ils ont raison de pouvoir soutenir les institutions. Mmh. Ils sont en contradiction avec les présidents de leur parti, l'ancien, et le président de l'État aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la teneur de la communication du président de la République. Je ne comprends pas ces peuples africains qui sont misérables, qui souffrent piteusement. Mais tout au long des journées, ils sont en train d'encenser leur président. Et pourtant, ils devaient les traiter trop dur pour que ces gens-là soient motivés pour répondre à leurs besoins. Et voilà, c'est cette marche qui vient contredire la communication du chef. Comment vous allez encenser vous... Et puis effectivement, un dictateur aime la louange et la danse, à l'occurrence Mobutu. Merci. Mais ils sont dans la logique, vraiment, effectivement, merci, de confirmer. S'ils commencent ainsi avec des marches, donc demain ils vont danser et demain ils vont composer des chansons en dehors de Moukwa Tombolo. Ça viendra alors Seko na Seko et puis après, plus rien. Merci. Donc, la dictature est en marche. Je vous l'ai dit, je n'ai pas écouté la doctrine que tu as ressortie pour défendre la marche merci, et soutien aux institutions. Merci, merci. Il faut le savoir. Voilà. Donc, tu n'as même je pas ça. Je tiens à vous dire que votre doctrine utopique, vous le gérez tout seul. Je voulais impressionner qui que ce soit, mais pas moi. Vous êtes au moins conscient que je n'ai pas eu le temps de parler sérieusement. 5 secondes. L'opposition au Congo est multiple. Et au même moment, vous devez savoir que notre opposition n'a jamais été coordonnées. Merci. Donc, à chacun, une opposition. La polémique a mais commencé. Pour l'intérêt général. C'est ce que nous sommes. Merci. Voilà. Merci, nous ne sommes pas contre la marche merci, de l'opposition qu'a organisée Envol et les autres parce que le contenu tient pour l'intérêt général. Merci. Donc, nous y sommes dedans. Merci, monsieur Foucault, voilà. Kelemena. Avant que je puisse conclure, monsieur Philemon, s'il vous plaît, donnez-moi d'abord la photo de monsieur TH. Le président TH, ici j'aimerais bien parler en lingala. Nakota qui est en contact avec l'équipe de M. TH, ma source sûre. Donnez-moi la photo du président TH. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un ancien président de SMP. Il s'est plaint de Moïse Katumbi et de M. Frédéric Kitenge-Kinkuma. Il dit Frédéric Kitenge-Kinkuma, c'est un escroc. Il lui a détourné, escroqué l'argent. Plus de 80 000 tonnes du sel en Afrique du Sud. Il était son chauffeur. Il lui a amené chez un type pour qu'il achète. Il l'a acheté. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Il n'est jamais venu au Congo. Mais qu'il aille devant les juges. Des deux. Il dit Moïse Katumbi a son argent parce que le joueur Louindam, c'est son joueur à lui. Katumbi a fait des transferts. Jusqu'à aujourd'hui, Katumbi ne déverse pas l'argent dans son compte. Qu'il aille tester. Il a fait ça. Il a fait ça. Alors, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas de. Mais il semble que Katumbi et son groupe, ils sont forts plus que l'état des droits. Voilà, donc, pourquoi, voilà pourquoi alors, là, il c'est dénonce. Une bonne, c'est une bonne conclusion. Voilà pourquoi, il dénonce. C'est une moi, conclusion. Je pense l'état n'existe que c'est un Congolais qui se plaint. Selon la conclusion de M. TH, non? C'est un Congolais qui se plaint. Des personnalités sont plus fortes. C'est un Congolais qui se plaint. Ramazan est là, il peut faire son avocat. D'un leader de l'opposition aujourd'hui, et avec M. Kitenge-Kinkuma, qui semble être quelqu'un qui lui a escroqué l'argent, nous dénonçons, okay, nous disons aux autorités d'aider le monsieur pour que le monsieur récupère son argent. Monsieur Ramazani, vous avez demandé 5 secondes. Si monsieur Philemon va permettre, 5 secondes, vous terminez. Non, parce que rapidement, Trésor avait dit que le leader de l'opposition ne condamne pas l'agression rwandaise. Je lui renvoie directement, je lui renvoie à la déclaration de Lubumbashi. Je ne sais pas s'il a eu le temps de le lire. Lorsqu'il va le lire, je crois qu'il ne va plus revenir avec pareil argumentaire devant le Congolais. Mais pour la force du progrès, je laisse les habitants de Binza aux hommes. Non, mais je crois que j'ai clairement reconnu
répondre à cette question. Conclure cette position. La force progrès qui a lu des merci, merci. C'est la force du progrès qui sème terreur. Et ils ne sont, sont pas punis. Mais non, c'est... Bienvenue en Hollande. Bienvenue.